Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 43e édition de Cinéma du Réel et à la deuxième édition du Festival Parler. On l'avait inauguré voilà 2 ans, ce Festival Parler, avec pour ambition de restituer à ce mot documentaire toute sa puissance critique en invitant des praticiens de divers champs disciplinaires, non seulement des cinéastes mais aussi des chorégraphes, des plasticiens, des architectes, des philosophes à venir discuter de ce que recouvrait ce mot documentaire sur leur terrain, dans leur pratique, dans leurs écritures documentaires. Et on avait envie pour cette nouvelle édition de s'intéresser au rapport entre littérature et cinéma en invitant des écrivains et des cinéastes à venir parler de leur rapport à l'écriture. D'une écriture qui recueille sans épingler, qui soit attentive à l'épaisseur du réel. Et j'avais envie peut-être pour introduire cette table ronde qui donc constitue le deuxième temps de ce festival Parler, de vous citer quelques mots de James Agee dans la préface de « Louons maintenant les grands hommes », un livre qui m'accompagne depuis longtemps. « Si je le pouvais, je n'écrirais rien du tout. Il y aurait des photographies. Pour le reste, des morceaux d'étoffe, des déchets de coton, des grumelons de terre, des paroles rapportées, des bouts de bois, des pièces de fer, des fioles d'odeur, des assiettes de nourriture et d'excréments. Un morceau de corps arraché par la racine pourrait bien être plus adéquat. » Cette seconde table ronde réunit deux écrivains, Maïlys de Kerangal et Jean-Christophe Bailly, et deux cinéastes, Mariana Otero et Régis Sauder. Elle sera animée par Fabien David, que je remercie infiniment d'être là. Et elle sera suivie par la projection d'une œuvre d'une jeune chercheuse et artiste du doctorat Sacre, qui sera donc présentée juste après la table ronde. Voilà, je cède maintenant la parole à Fabien David et je vous souhaite une excellente table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alice. Merci de cette invitation et cette occasion qui nous est offerte de réunir écrivains et cinéastes. Ravi de vous accueillir toutes et tous de par le cinéma documentaire se prête mieux que tout autre, je crois, à cette transversalité entre les genres, les champs disciplinaires autour de cette notion documentaire que l'on va aborder à la fois avec des écrivains et avec des cinéastes. Et c'est évidemment très heureux que cette rencontre puisse avoir lieu physiquement et de pouvoir réunir ici Jean-Christophe Bailly, Mariana Otero, Régis Sauder et Maïlys de Kerangal. On en est ravis, je crois qu'ils sont assez ravis aussi de se rencontrer. Merci aussi Alice d'avoir inscrit cette table ronde sous le patronage en quelque sorte de James Agee. C'est aussi avec un autre écrivain, un poète en l'occurrence, par ce détour et l'évocation de Gérard Manley Hopkins, que j'aimerais commencer cette table ronde. Hopkins, que j'aime beaucoup, avait inventé quelques notions particulièrement opérationnelles quant à la recherche qui l'animait. Il avait pour cela forgé des termes, des néologismes qui saisissaient, qui surprenaient beaucoup dans son époque, le 19e siècle en Angleterre. Je rappelle qu'il était poète et prêtre dans l'Angleterre anglicane et prêtre catholique dans l'Angleterre anglicane du 19e siècle. Et il avait, pour définir la recherche qui l'animait et pour dire l'engagement qu'il avait dans son œuvre, forgé ce mot de « in stress » en anglais, que le traducteur français René Gallet a traduit très judicieusement par « intention », S-I-O-N, « in stress », « intention ». Cette intention qui était une tension intérieure et formatrice qui l'habitait, elle était cela même qui le portait à rendre compte de ce qu'il observait, de ce qu'il voulait dire, de la façon dont il voulait rendre compte d'une attention soutenue qu'il avait pour les êtres, les choses, les animaux, tout ce qu'il pouvait rencontrer au cours de ses balades et au cours de ses journées. Cette attention, ce souci qu'il avait de dire au plus juste et de rendre justice aux choses comme aux êtres et dans une langue qui s'efforçait de forger de toutes pièces. De nombreux artistes et écrivains ont pu avoir une démarche semblable depuis. On pense notamment dans le XXe siècle français à Francis Ponge, duquel il se rapproche à bien des égards. Et je crois que cette même tension intérieure, cette intention, nos invités du jour la partagent au moins à différents égards. Alors, comment partager une expérience? Comment transmettre un témoignage? Quelle forme donner aux investigations menées sur le terrain ou dans les archives, tout en racontant ce que l'on éprouve soi, pensées et sensations mêlées?
C'est un peu l'objet de cette table ronde. Et les ressources de la description, on y reviendra assez longuement, sont immenses pour rendre compte de ce qui se joue au cours d'un tournage, en amont d'un tournage, dans un travail de recherche, et pour prêter attention aux paroles, aux gestes et aux manières de vivre rencontrées à ces occasions. Et pour dire ce que l'on a perçu et qui nous a traversé, comment on s'est montré attentif aux appels, aux traces, aux indices qui affleurent à la surface du présent. Jean-Christophe Bailly, vous écrivez « L'indice fait énigme et enclenche la pensée ». Puis, ces traces et ces indices de réel, ce sont aussi des départs de pensées rêveuses et des élans de la capacité imaginative. Il en sera question de tout ça, je pense, au cours des deux prochaines heures. Et je vais passer rapidement en revue le travail de chacun et vous présenter Jean-Christophe Bailly, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont je ne citerai pas la totalité des titres, et dans une multitude de genres différents. C'est d'ailleurs ce qui vous caractérise, cette transversalité des genres et cette volonté obstinée, recherchée toujours, d'écrire toujours un livre différent et du précédent et de ce qu'on a fait et de ne pas se répéter. Donc on trouve dans votre œuvre à la fois des essais, des choses qui ont trait au poème, beaucoup d'ouvrages aussi d'histoire de l'art, de préfaces à des artistes que vous avez accompagnés. Et je signale que vous avez enseigné aussi pendant une bonne quinzaine d'années à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, et que vous aviez alors dirigé la publication des cahiers de l'École de Blois, qui, a, j'ai l'impression, a été une sorte de laboratoire aussi, une possibilité, une carte blanche qui vous était offerte d'expérimenter aussi des formes et des approches nouvelles. Parmi les livres que j'ai envie de citer, parce qu'ils trouvent des connexions assez fortes avec cette table ronde, dans l'ordre chronologique, je dirais « Description d'Olonne » en 1992, qui a été réédité dans la collection Titres chez Bourgois. Beaucoup des ouvrages de Jean-Christophe Bailly se trouvent chez Bourgois ou au Seuil, mais aussi quelques autres éditions. « Tuiles détachées » en 2004, réédité en 2018 dans une version augmentée. « Le dépaysement », évidemment, « Voyage en France » en 2011, qui paraît particulièrement adéquat avec cette table ronde. Et puis « L'ineffacé » en 2016, qui était l'objet d'une exposition à l'IMEC. Saisir, quatre aventures galloises en 2018, L'imagement, c'était en 2020, et puis quatre livres, disiez-vous, sont prêts à sortir, et c'est vraiment dans les jours qui viennent, je les cite, Jour d'Amérique, 1978-2011, Jean-Christophe en lira un extrait tout à l'heure, Café Néon et autres îles, chez Arléa, qui sort dans deux jours, je crois, et La reprise et l'éveil, essai sur l'œuvre de Jean-Marc Serino, qui sera publié dans quelques jours également chez Macula, me semble-t-il. Maëlise de Carangal, ça fait une vingtaine d'années que vous avez publié votre premier roman. Je signale que vous avez étudié l'histoire, la philosophie, l'ethnologie. C'est au-delà de la formation et des études. Ça dit bien, à mon sens aussi, ce qui transparaît aujourd'hui dans votre œuvre et les intérêts qui sont les vôtres, et peut-être de manière de plus en plus affirmée à la fois sur le fond et sur la forme, pour dire aussi les récits auxquels vous vous intéressez. Vous êtes membre, je crois, du collectif Inculte, toujours. Et puis, c'est évidemment important pour aujourd'hui, c'est que vous présidez la commission d'aide à l'écriture et au développement de projets du cinéma documentaire au CNC. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle nos cinéastes ici présents, Régis et Mariana, vous connaissent. Alors, parmi les livres qui me semblent pertinents de citer, Corniche Kennedy, en 2008. Et puis, ce qui est peut-être apparu après coup comme une sorte de triptyque, Naissance d'un pont en 2010, Réparer les vivants en 2014 et Un monde à portée de main en 2018, les quatre livres étant publiés chez Vertical. Il y a eu Un chemin de table aussi en 2016. Kiruna à la contre-allée, qui est évidemment très intéressant aussi pour nous aujourd'hui en 2019. Et puis Chrome, qui est paru là aussi aux éditions de l'IMEC en 2020. Et puis je signale aussi que vous avez rédigé avec Vinciane Després une préface au Ravissement de Darwin de Natasha Myers et Karl Haustack, et c'est pour dire aussi l'ouverture de la littérature telle que vous l'envisagez. Je signale par ailleurs aussi que, on y reviendra tout à l'heure, qu'un très beau texte quasi manifeste de votre travail est paru dans la revue du Crieur, qui est actuellement en vente, et qu'il y a également une nouvelle qui est parue dans la belle revue Sensibilité, qui est également disponible en ce moment même. Régis Soder, vous êtes-vous plutôt de formation scientifique, apparemment, dans votre,
dans vos études et dans votre premier travail. Je signale que donc, vous êtes cinéaste, vous avez, et c'est un point commun évidemment avec Mariana Otero, vous avez présidé l'ACID, qui est l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, on y est très attaché, et de 2017 à 2019. Et puis, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages dans les années 2000, mais je vais citer particulièrement les quatre longs-métrages. Nous, Princesse de Clèves, en 2011. Être là, en 2012, qui a été tourné dans la prison des Baumettes. Retour à Forbach, en 2017. Et J'ai aimé vivre là, qui est prêt depuis quelques mois, qui ne demande qu'à sortir. Ça sera probablement dans le courant de l'année. Mariana Otero, vous êtes diplômée de l'IDEC en 1988, qui était donc l'ancienne FEMIS. Vous avez enseigné, peut-être enseignez-vous d'ailleurs toujours, aux ateliers Varan, à la FEMIS. Et vous avez également présidé l'ACID de 2010 à 2012. ACID, je crois, dont vous étiez parmi les membres fondateurs au début des années 90, assez proche en tout cas de l'ACID à sa création dans les années 90. L'ACID fêtera ses 30 ans l'an prochain. Votre premier film s'appelle Non-lieu, tourné dans une autre prison que les Baumettes, c'était à Fleury-Mérogis en 1991. La loi du collège en 1994, qui est la première collaboration avec Denis Fred et Archipel 33, qui reste aujourd'hui votre producteur, il me semble. C'était une série documentaire. Et puis en 2003, je saute quelques réalisations, mais en 2003, un film évidemment déterminant, on y reviendra, Histoire d'un secret. Entre nos mains en 2010, À ciel ouvert en 2013, L'Assemblée en 2017, tournée Place de la République en live auprès de toutes les personnes, les hommes et femmes présentes dans le cadre de Nuit debout durant plusieurs semaines. Et vous avez passé pas mal de temps Place de la République en 2016. Et puis Histoire d'un regard autour du travail de Gilles Caron, c'était en 2020. Le film est sorti quelques semaines avant le premier confinement. Il a quand même eu son parcours et connu un beau parcours et il est nommé, je le signale, parce que les Césars ont lieu dans quelques jours, nommé au César du meilleur film documentaire dans quelques jours. Alors pour lancer la discussion, je voulais aussi vous inviter évidemment à réagir, c'est tout l'intérêt de cette table ronde, par la diversité, et c'est sans doute évidemment ce que Catherine Bizerne et Alice Leroy ont souhaité en vous invitant, c'était que chacun réagisse un peu aux propositions de l'autre et j'ai trouvé qu'une phrase de Jean-Christophe Bailly dans L'Imagement s'y prêtait merveilleusement. Comme toujours, écrivez-vous, Jean-Christophe, il m'a semblé que la possibilité de ne pas se tenir à l'intérieur d'un seul domaine était une chance. Et que les possibilités d'écho et de rebond d'un art à l'autre gagnaient à être multipliées. Donc j'espère qu'on va pouvoir multiplier les occasions de rebond et d'écho et de ricochet, pour reprendre une autre notion qui vous est chère et familière. Je vais commencer avec vous, Jean-Christophe, et Maëlys en particulier. J'ai cité, évidemment, ce que je n'ai pas dit encore, Maëlys, c'est que deux de vos livres, j'allais dire longs-métrages, sont justement devenus des longs-métrages. Il s'agit de Réparer les vivants, de Catel qui y verrait, Corniche Kennedy, de Dominique Cabrera, qu'on connaît aussi pour son travail de cinéaste documentaire, justement. Mais j'aimerais, l'un comme l'autre, que vous commenciez par nous dire, dans l'idée aussi de croiser un peu les disciplines et les regards, quel rapport vous entretenez, à la fois comme spectateur, mais aussi dans votre travail, quel rapport vous entretenez au cinéma? En quoi est-ce qu'il compte pour vous, et notamment à travers la salle de cinéma? En quoi est-ce qu'il compte au-delà ou en deçà des collaborations qu'ont pu être les vôtres avec des cinéastes? Je n'ai pas cité aussi une cinéaste qui a réalisé des courts-métrages d'après vos nouvelles. Voilà. Quelle spectatrice êtes-vous et quelle attention bien particulière vous avez pour le cinéma, et notamment le cinéma documentaire? Bonjour. J'ai une attention comme spectatrice. D'abord, c'est une attention à la forme. Et je dois dire que les gens, finalement, de ma génération, aujourd'hui, on travaille tous un peu avec le cinéma dans la tête. Enfin, vous voyez, ça me semble pas possible aujourd'hui d'écrire et aussi d'écrire de la fiction. Moi, j'écris de la fiction. Sans du tout convoquer du cinéma. Alors, dans mon travail, le cinéma, il intervient de deux manières. Parfois, je me suis rendu compte qu'il était une source documentaire, une source d'inspiration. C'était un matériau que je pouvais translater, dont je
oui, dont je pouvais me servir dans une scène de roman. Par exemple, quand j'ai écrit Naissance d'un pont, je pensais beaucoup au film de Terrence Malick, par exemple, beaucoup à certains westerns, par exemple La Rivière Rouge. Vous voyez, c'était des images, c'était des narrations, et c'était aussi parfois des scènes assez précises que j'ai importées dans le roman. Donc vous voyez, c'est un système aussi de va-et-vient, c'est-à-dire que la littérature offre des figures, des scènes, des histoires au cinéma, mais ça se produit aussi dans l'autre sens, et ça je trouve qu'il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on pense toujours à cette histoire d'adaptation dans un sens seulement, c'est-à-dire de la littérature qui offre des narrations que les cinéastes adaptent, etc. Mais ça se produit aussi énormément dans l'autre sens. Et moi, j'ai l'impression parfois vraiment d'adapter, c'est-à-dire de m'inspirer directement du cinéma. Et puis après, il y a autre chose, c'est dans le régime de la langue. Je pense que le cinéma est assez présent dans mon travail, dans la mesure où il y a la visualisation qui se produit dans le temps de l'écriture, alors qu'il y a une opération synesthésique assez pleine. Mais c'est vrai que parfois, quand on veut étirer une scène, on la visualise, et la phrase peut prendre la forme d'un travelling. Il peut y avoir des moments de focalisation qui pourraient être ce qu'on appelle des zooms, ou alors il y a du hors-champ dans mon travail, souvent, ce qui est assez important. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est aussi la convocation d'un vocabulaire qui serait à la fois commun à la littérature et au cinéma. Mais dans une description de Balzac, il y a aussi ces formes-là qui sont à l'œuvre, hein, une façon de resserrer le champ autour d'une forme. Donc, pour moi, ça c'est quand même très important. Et puis, je vais beaucoup au cinéma, et j'aime beaucoup le cinéma documentaire. Mais là, vraiment, c'est une façon de me confronter à un matériau, à une source. Enfin, j'aime y aller parce que je sais que je vais saisir là des choses que je ne pourrais pas saisir par moi-même. Enfin, il y a vraiment une dimension de document au sens de source qui vont intervenir dans mon travail. Donc, c'est quand même un rapport assez, assez fort et assez étroit. Oui, donc un dialogue assez, assez continu avec à la fois des images qui affluent, mais aussi une façon de s'emparer d'un certain glossaire, d'un vocabulaire assez riche qui a permis de mettre à jour des notions qui sont antérieures au cinéma, mais qui, pour le coup, permettent de fixer un peu les choses et une certaine façon aussi de peut-être de se remémorer, d'avoir des réminiscences. Oui, j'ajouterais une chose, par exemple, qui est très visible, qui est le traitement de l'oralité, moi, dans mes textes, c'est-à-dire que la parole jaillit dans la phrase, enfin, je veux dire, l'oralité, les voix font effraction dans les phrases, sans que l'appareil typographique de points, ouvrez les guillemets, les tirets de locution, etc., soit composé sur la page. C'est-à-dire que, parce que j'estime que, si vous voulez, quand on a le dialogue entre crochets, c'est comme si la bande image s'arrêtait, par exemple. Vous voyez, qu'on avait tout d'un coup plus que la bande son, c'est-à-dire que comme si tout s'arrête et qu'on n'entend plus que des gens parler. Or, précisément, dans la réalité, on se parle, mais quelqu'un bouge dans le fond, il se passe des choses autour de nous. La réalité s'arrête jamais. Et ça me semblait toujours être, par exemple, une espèce de mise en scène très artificielle de la parole, cette histoire de dialogue. Et évidemment, par moments, il faut que tout s'arrête pour faire entendre certaines choses qui sont importantes que les personnages se disent. Mais alors là, quand ils se disent quelque chose d'important, ça peut être, je sais pas, je t'aime, ou je vais te quitter, ou je vais mourir, enfin des choses importantes. Là, pour le coup, moi, je peux arrêter la bande d'image. Vous voyez, je me le dis comme ça, cette histoire de bande d'image et de bande son, les choses sont ensemble. Et c'est comme ça, par exemple, que j'explique le fait que cette espèce de style indirect libre qui permet de faire affleurer les voix et qu'elles rentrent dans les phrases et que tout d'un coup, on les entend comme des affleurements vocaux. Pour moi, c'est assez proche du cinéma, par exemple, de la prise de son du cinéma, peut-être. Moi, ça me paraît assez, assez flagrant, effectivement, dans votre travail. Jean-Christophe, il me semble que vous avez un rapport ambivalent au cinéma. Vous avez peu écrit sur le cinéma, mais c'est, pour le coup, c'est un... On parlait du glossaire spécifique au cinéma, oui. Travelling, oui. Fondu enchaîné, le montage, etc. C'est des termes qu'on retrouve souvent, notamment pour convoquer
des souvenirs ou des choses comme ça. C'est quelque chose d'assez récurrent dans votre écriture. Oui, bien sûr. De toute façon, le cinéma est arrivé, ça fait déjà un petit bout de temps, mais en fait, quand il est arrivé, il a recouvert des expériences qui existaient déjà, via le souvenir, via la rêverie, via la sensation d'un continuum, etc. Et le cinéma, il est héraclitéen par nature, sans le faire exprès, c'est-à-dire devant le fleuve qui est toujours le même et toujours différent, il se met devant et il capte ça avec une force sans équivalent, je dirais. Mais mon rapport ambivalent, il est dû au fait qu'il y a tout un cinéma que je n'aime pas, qui est le cinéma qui fait du cinéma, mais qui n'a aucune idée de cinéma. Et en gros, c'est tout ce qu'on appelle la qualité française, ces choses-là. Et par contre, l'existence du cinéma est absolument extraordinaire. Et justement, je n'ai pas beaucoup écrit, mais je me souviens, je crois que c'est le premier texte que j'ai écrit sur le cinéma. Il s'appelait une lueur, il y a déjà un certain temps. Et je racontais une visite à un studio que peut-être certains d'entre vous ont connu, qui n'existe plus, qui était le salle d'arrêt d'essai, qui s'appelle le Ranelagh. Rue des Vignes, dans les beaux quartiers, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'ils sont beaux, enfin dans les quartiers bourgeois, le 16e. Et cela dit, cette salle aménagée dans un ancien théâtre privé, très, très bel endroit, avait une magie. Et puis ils organisaient aussi des expositions dans les coursives, etc. Et une fois, j'étais allé là pour voir une exposition et non pas pour voir un film. Mais pendant que je visitais l'exposition, il y avait un film. C'était d'ailleurs, je crois, Le Mépris de Jean-Luc Godard. Et qu'à l'époque, j'étais jeune homme, hein, je n'avais pas vu. Ce film, en tant que tel, m'a toujours déçu après quand je l'ai vu, tellement il était bien quand je ne le voyais pas. Non seulement par l'effet de la bande-son, parce qu'il y a une qualité sonore de la bande-son de cinéma qui n'a pas du tout d'équivalent, mais aussi par la lueur. Parce que ce n'était pas une salle avec des portes complètement étanches. Et il y a surtout, c'est un film très lumineux, très méditerranéen. Et il y avait une existence comme ça du dehors, confiné dans cet espace. Et ça m'avait semblé comme, disons, la magie même. Et ce cinéma-là qui se met à exister comme une idée, c'est-à-dire comme la lanterne vraiment magique, ça, c'est pour moi capital. Et c'est ça, et de cette capacité que le cinéma a, je suis, disons, en tant qu'écrivain, je suis jaloux. Hein, parce que, si on peut dire, il y a la phrase la plus formidable que je connais sur le cinéma, enfin, une des phrases les plus formidables, elle est connue, mais c'est Gilles Deleuze disant « Le champ, c'est H-A-M-P évidemment, le champ, c'est-à-dire la conscience. Hein, » c'est magnifique. Mais une fois qu'on a dit ça, comme écrivain, par exemple, comment on fait ? La conscience, on peut dire qu'on l'a. Mais le champ, dès qu'on écrit, on le perd. Le CHAMP. On le perd parce que chaque mot agit comme une aiguille. Pas une épingle pour épingler le réel, mais comme une aiguille d'acupuncture. On fait une acupuncture du corps du réel, mais à chaque point, même si on a l'intuition de la totalité de ce corps, on est obligé de se concentrer sur la qualité de résonance de ce point. Et le cinéma, disons, lui, il a une espèce d'amplitude qui lui permet de garder le champ, si on peut dire. Et c'est pour ça que le cinéma qui me convainc, m'attire et me semble et conforme à l'idée que j'en ai, hein, c'est pas plus que ça, mais quand même, c'est le cinéma qui se donne le temps de montrer qu'il est la conscience de ce champ. Et alors, ça peut très bien être un film très connu comme le Salon de musique de Satyajit Ray, qui serait assez exemplaire de cela, mais c'est vrai que très souvent, même si je peux prendre plaisir à des fictions basées sur quelque chose de beaucoup plus excité, en même temps, c'est vrai que spontanément, je préfère une dimension contemplative que très souvent, pas toujours,
très souvent, le documentaire offre gratis d'une certaine manière. Mais là, c'est la même chose. Il y a les documentaires intéressés et les documentaires intéressants. Les documentaires intéressés, c'est ceux qui veulent absolument vous montrer que j'y étais, quoi. M'en fous, moi, que tu... c'est pas ça le problème, que tu y aies été. Le problème, c'est que tu m'y mettes devant ce que tu as vu. Et là, il y a des choses formidables. Et je dirais aussi que très souvent aussi, il arrive que des œuvres d'images mouvement qui ne relèvent pas du cinéma comme pratique sociale soient très convaincantes de ce point de vue. Je fais l'allusion à des travaux de vidéo. Hein. Voilà. Et donc, j'arrive pas à débarrasser mon idée du cinéma d'une certaine lenteur. Une certaine lenteur un peu envoûtante et qui a une capacité et le montage d'ailleurs fait intégralement partie de cette lenteur, une lenteur rythmique, il faudrait dire. De ce point de vue, le travail qu'avait fait à chaque fois j'ai oublié leur nom, Dal Pole et All'Equatore, Angela Ricciolucci et Yaman Jenkins. Oui, pour moi, c'est le chef-d'œuvre du montage rythmique. Et qui utilise justement, c'est d'autant plus étonnant par rapport à ce que je m'arrête, mais par rapport à ce que vous avez cité sur l'indice, c'est que ce qui est utilisé comme matériau, en fait, c'est une imagerie fasciste au départ. Et en travaillant sur elle, en la bouleversant, en la changeant, en l'agrandissant, et surtout en la ralentissant, ils sont arrivés à en exprimer, disons, l'inconscient, ouais, qui devient justement une conscience éblouie. Par les moyens de ce qu'ils avaient appelé eux-mêmes leur caméra analytique. Ouais. Voilà. Ah ouais, exactement. Oui. Ce que vous dites sur la lenteur me rappelle aussi une introduction que j'avais vue de vous au Stalker de Tarkovsky. Et la description notamment d'un travelling sur la Drésine, etc. Ah, oui. et toute cette temporalité bien, bien particulière. Bon, je crois qu'on a sur cette distinction cinéaste intéressé, intéressant, j'ose croire qu'on a des cinéastes intéressants sur ce plateau qui ont une écriture bien à eux. Régis, pour commencer avec vous, je le disais, il y a un film achevé qui a été présenté au FID à Marseille, Festival de cinéma de Marseille en juillet dernier. Il y en a un autre déjà qui est en montage, mais parlons plus particulièrement de J'ai mis vivre là, tout en se permettant des rebonds et des allers-retours aux films plus anciens. Pour le coup, évidemment, ce qu'on a envie de souligner dans votre travail, ça me semble quand même bien, bien caractéristique, c'est que vous avez réalisé 4 longs-métrages en 10 ans, et que 3 de ces longs-métrages ont pour moteur, un point de départ, un texte, un texte littéraire, un livre, La Princesse de Clèves, pour nous, Princesse de Clèves en 2011, Retour à Reims de Didier Ribon pour Retour à Forbach en 2017, et pour J'ai aimé vivre là, le dernier film en date, il s'agit de votre rencontre et du travail d'Annie Ernaux. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot avant qu'on voit un extrait pour à la fois peut-être aborder de manière plus générale ce rapport à la littérature et en quoi peut-être la littérature et la rencontre avec soit un écrivain, une écrivaine, des textes peuvent alimenter en quelque sorte, motiver en quelque sorte un projet de cinéma, ce qui est quand même à mon sens assez rare, je pense, en tout cas de manière aussi affirmée et assumée dans le cadre du cinéma documentaire. Quel tient place la littérature ou de manière générale dans votre travail et dans ces projets-là spécifiquement ? Alors pour déjouer peut-être un peu cette présentation, moi je crois que je vais raconter une anecdote de ma vie. Je crois que la première fois que je me suis dit que je pouvais faire du cinéma documentaire autrement, c'était en écoutant Mariana Otero qui présentait son film à Rennes, Histoire d'un secret. Et moi, je découvrais d'une certaine manière, parce que j'avais, on n'a pas tout à fait le même âge, mais on est à peu près de la même génération, mais moi, j'avais pris un peu de temps avant d'aller vers le cinéma documentaire. Et c'est en écoutant Mariana parler de son travail que je me suis dit, mais je peux filmer à partir de la place où je suis, quoi. Je peux filmer à partir de ma vie. Et c'est elle, je dirais, c'est pour ça que je suis très content d'être ici, qui m'a ouvert les portes grands de cette possibilité-là. Et je crois qu'en ça, ça rejoint peut-être des paysements où la vie nous emmène dans des lieux sur lesquels on peut écrire. Je crois qu'il y a quelque chose qui se croise dans nos vies
les uns et les autres. Non pas que c'est pas une question de milieu, c'est une question de récit. La dernière fois que j'ai passé du temps avec Dominique Cabrera, c'est que je l'ai embarqué sur un kayak bon an mal an le long de la corniche pour lui montrer des lieux où elle pourrait imaginer comment elle allait construire l'adaptation de Corniche Kennedy de Maëlys. Donc il y a des choses comme ça dans la vie qui sont des portes ouvertes sur le récit. Et je ne crois pas que c'est les textes, moi, qui m'ont amené vers les films. Je crois que moi, je partage ma vie depuis, je ne sais plus combien de temps, mais ça fait un bon bout de temps avec une professeure de français. Et le premier long métrage que j'ai fait, c'est un film sur la transmission. C'est un film où le cœur est au, enfin, la rencontre avec le texte est au cœur du film. Mais c'est d'abord pour parler du travail de ma femme, pour témoigner de ce qu'elle fait depuis des années. Et j'avais envie de faire un film là-dessus. Et il se trouve que La Princesse de Clèves, du coup, elle a la petite porte d'entrée vers son travail, vers la possibilité de faire en sorte que ce texte il soit aussi vu comme un moyen de dialogue entre nous avec ses élèves du lycée des quartiers nord. Annie Ernaux, c'est évidemment moi quelqu'un qui nourrit mon travail depuis longtemps. Retour à Forbach, c'est évidemment il y a Retour à Reims de Didier Ribon derrière, mais il y a aussi tous les textes d'Annie Ernaux. Et quand j'ai accompagné Retour à Forbach, qui est donc pas mon dernier film, mais celui d'avant, je l'ai présenté au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône. Et Annie Ernaux est venue voir le film et on avait un petit moment comme ça d'échange un peu avant la projection. Et pendant cet échange, elle m'a dit si vous avez un peu de temps, moi je vais vous faire visiter ma ville puisque à travers Retour à Forbach, j'ai connu la vôtre. Et elle m'a emmené dans sa voiture et on a visité Cergy. Et on a passé l'après-midi à discuter de ce qui nous tenait debout, enfin en tout cas... modestement, parce que moi j'étais quand même assez impressionné de cette rencontre-là et de ce dialogue-là. Et quand je suis rentré chez moi à Marseille, je me suis dit, mais elle m'offre un film sur un plateau. Donc c'est vraiment par la vie qu'à un moment les films arrivent. Et il se trouve que dans ma vie, il y a les textes, il y a la littérature, il y a des rencontres. Et ces rencontres, souvent, elles viennent par là. Donc dans les films, il y a aussi les textes. C'est pas le texte qui précède le film. C'est un moment de ma vie où ces textes-là sont présents. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne, dans les films. Ou en tout cas, moi, ce qui me bouleverse, c'est quand il y a un phénomène de reconnaissance. Quand on peut se reconnaître dans les écrits, dans les films des uns et des autres. Et c'est ça que j'essaie de mettre en scène, de mettre en œuvre. C'est comment on peut se reconnaître à travers le choix d'une mise en scène, d'un texte, et comment on peut le partager. Donc, c'est vrai que dans les films, j'aime bien faire circuler les textes, parce que je trouve que la lecture, c'est aussi un moment comme ça où on peut se reconnaître en écoutant l'autre, en le regardant lire. Voilà, j'ai envie de dire ça avant de peut-être montrer l'extrait de J'ai aimé vivre là. Alors peut-être on va envoyer l'extrait, regarder l'extrait de J'ai aimé vivre là, donc qui dure un peu plus de 7 minutes. Non mais non, tu vas revenir, t'es obligé. Attends. Mais non, mais je vais revenir, mais c'est pas la même chose. Tu vois, je vais pas prendre mon chemin de tous les matins. Je vais pas. Tout va se bousculer. Je vais plus prendre le RER. On va plus voir tous ceux là qui partent. Tu peux prendre le bus. Tu peux te voir tous les jours.
Mais là, ça fait 3-4 semaines, un truc comme ça. Il y a tout qui prend un goût différent. Je me dis, ok, donc ça veut dire qu'en fait, il reste le bac, quoi. 2 semaines de cours, un truc comme ça. Après, moi, si je pars, je vais revenir dans la ville, ça sera pas la ville où j'habite, ça sera vraiment la ville où j'ai habité. Du coup, je vais revenir et je vais regarder tout différemment. C'est comme si tu laissais tout à Sergi et que tu partais commencer une nouvelle vie ailleurs, donc fais toutes les conneries que t'as envie, t'as le droit. Au moment, il y a plein de trucs. Je les regarde et je me dis, ah, c'est peut-être la dernière fois que je viens là. Enfin, que je viens là en tant que Lola, 18 ans, lycéenne. Au lycée Galilée. J'ai un peu peur, ouais, qu'on zappe tous sans le vouloir. Les petites promesses en l'air, ouais, l'année prochaine, on restera amis, on se reverra tout le temps, tous les week-ends, et que... Au final, bah... La sensation du temps qui passe n'est pas en nous. Elle vient du dehors, des enfants qui grandissent, des voisins qui partent, des gens qui vieillissent et meurent. La sensation du temps qui passe n'est pas en nous. Elle vient du dehors, des enfants qui grandissent, des voisins qui partent, des gens qui vieillissent et meurent. Des boulangeries qui ferment et sont remplacées par des auto-écoles ou des réparateurs de télé. Désirez-vous une fleur pour planter sur l'esplanade ? Mais bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Vous en donnez ? Allez. Merci. Merci. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. Ben voilà, regarde. Tu peux la mettre dans tes cheveux. Elle est tienne. Oui, c'est vrai. L'océan est calme. J'ai aimé vivre là, dans un endroit cosmopolite, au milieu d'existences commencées ailleurs, dans une province française, au Vietnam, au Maghreb ou en Côte d'Ivoire, comme la mienne, en Normandie. J'ai regardé à quoi jouaient les enfants au pied des immeubles, comment les gens se promenaient dans les rues couvertes du centre commercial des Trois Fontaines, attendaient sous les abribus. J'ai prêté attention aux propos qui s'échangeaient dans le RER. J'ai eu envie de transcrire des scènes, des paroles, des gestes d'anonymes qu'on ne revoit jamais, des graffitis sur les murs effacés aussitôt tracés. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, provoquait en moi une émotion, un trouble ou de la révolte. J'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter. C'était toujours compliqué le retour quand je revenais de province. Et puis au fur et à mesure, une familiarité qui s'est installée. De me retrouver effectivement en tant que femme dans un environnement totalement différent, avec des femmes, d'autres femmes différentes, faire grandir des enfants dans un environnement qui était complètement à l'opposé de ce que moi j'avais vécu. Et ça leur a apporté, je pense aussi une richesse, une ouverture d'esprit que je n'avais pas... que je n'ai pas eu lorsque j'avais le même âge qu'eux. Et je trouve que c'est des villes où on vieillit moins vite, j'ai l'impression. Où moi, je vieillis moins vite. Je ne sais pas si j'y resterai ou pas, mais je m'y retrouve, oui. Même si c'est tout neuf, même si c'est récent. Il y a une certaine histoire qui est en train de s'installer maintenant, depuis que j'y suis, plus de 30 ans. Silence absolu. Là où je me trouve en ce moment, ma maison, point dans l'espace indéterminé de la ville nouvelle. Expérience. Parcourir par la mémoire le territoire qui m'entoure, décrire et délimiter ainsi l'étendue de l'espace réel et imaginaire qui est le mien dans la ville. Je descends jusqu'à l'Oise. Voici la maison de Gérard Philippe. Je la traverse, survole la base de loisirs de Neuville, reviens vers Port-Sergi.
file vers les secs, les quartiers des Touleuses et des Maradas. Les Trois Fontaines, la Tour Bleue, le théâtre, le conservatoire et la bibliothèque. Je suis la ligne du RER et la chevauchée de pylônes jusqu'à Cergy-Saint-Christophe, la grande horloge de la gare. Je me promène dans la rue qui conduit à la tour Belvédère et aux colonnes de l'esplanade de la Paix, d'où se dévoile un immense horizon avec, en fond, les ombres de la Défense et de la tour Eiffel. Pour la première fois, j'ai pris possession de l'espace que je parcours pourtant depuis 20 ans. Régis, moi ce qui m'intéresse souvent au cinéma, et notamment dans le cinéma documentaire, c'est d'imaginer combien chaque film, à la fois pour chaque film, on s'investit selon une méthodologie expérimentée au cours des films précédents, et comment chaque film nouveau aussi pose des questions nouvelles qu'on trouve, pour lesquelles on trouve des raisons, des façons de faire inédites. Qu'est-ce qui s'est posé de nouveau à vous pour ce film-là? Est-ce qu'on peut retrouver des choses de nous, Princesse de Clèves, dans une certaine... Je trouve que le film, par exemple, répond merveilleusement à l'intitulé de cette table ronde, la traversée des existences. Il y a quelque chose vraiment de la traversée, d'une circularité continue parmi les jeunes gens avec Annie Ernaux et même dans l'espace. Il y a vraiment une sorte de fluidité extrêmement forte. Est-ce que cet aspect-là était là présent dès l'écriture? Est-ce qu'il faisait partie précisément des enjeux qui se posaient à vous? Comment ça s'est passé pour ce film-là en particulier à partir des textes d'Annie Ernaux? Mais bien sûr aussi, vous pouvez nous dire comment s'est passée la rencontre avec ces jeunes gens, notamment? Je crois qu'effectivement, à chaque film, il y a sans doute une méthode qui s'invente. Après cette première rencontre, moi, je suis revenu pendant presque 2 ans et demi régulièrement à Cergy, rencontrer les gens qui vivaient là. Il fallait faire un film sur un territoire que moi, je ne connaissais pas, que j'avais vu à travers les yeux d'Annie Ernaux. Donc forcément, c'était un peu l'anti-Forbach. C'est pas le territoire où j'ai grandi, c'était un territoire d'utopie, donc construire une forme de revendiquer quelque chose d'une utopie, d'un plaisir à justement à pouvoir dire qu'on est bien ici, qu'on est heureux à cet endroit-là, malgré le bruit du monde, parce que le bruit du monde est là justement, il y a du hors-champ, il y a ce qui se passe dans la patinoire à Cergy, qui est un des grands centres d'accueil des migrants en Île-de-France. Donc tout ça est présent dans le film, mais l'idée, c'est de réussir à reproduire le mouvement de ces allers-retours à Cergy, où je rencontre Annie Ernaux et je lui raconte qui j'ai vu, Claudette au bar du Columbia, Ghislaine chez qui je vis parce qu'elle a un petit Airbnb, c'est là que je dors, et comment cette ronde, je vais pouvoir la mettre en scène. Pourquoi à un moment, je vais utiliser ce drone pour non pas illustrer le texte d'Annie Ernaux, parce que dès le début, il y a ce sentiment de don, enfin de transmission, et de lui faire une sorte de cadeau en cinéma, c'est-à-dire de faire en sorte que cette balade mentale, comme ça, elle puisse à un moment la visualiser. Elle l'a imaginé, puis d'un coup elle prend corps et elle est une parmi d'autres. Donc évidemment, le film voyage comme ça d'un personnage à l'autre avec des petits récits de vie qui nous racontent ce plaisir-là. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose de politique justement à dire ça, à dire on peut revendiquer aussi à un moment cette joie sans faire l'impasse sur la difficulté du monde dans lequel on vit, mais c'est quoi cette joie d'arpenter ce territoire où la nature est très présente, où la jeunesse a une place, où la,
où la mixité a une place, elle est très visible. Et donc, pour construire ça, il y a effectivement la nécessité d'aller rencontrer ces jeunes. Donc, moi, je l'ai fait à travers un atelier que j'ai mené pendant un an avec ces jeunes lycéens. Et ces jeunes lycéens, ils vont être un peu mes compagnons de fiction. C'est-à-dire que je vais pouvoir les mettre en scène dans ces lieux-là. Et par la mise en scène de ces moments avec eux, parce qu'eux parcourent très rapidement les lieux, je vais pouvoir justement cartographier de façon très subjective cette ville et ce que moi j'en perçois. Voilà. Donc c'est un territoire que vous ne connaissez pas lorsque vous arrivez, que vous découvrez à la fois par les textes et par surtout la rencontre d'Annie Ernaux, à travers les yeux d'Annie Ernaux, mais à égalité, disons, avec les yeux, les déplacements, le quotidien même donc, qui vous est transmis par ces jeunes gens. C'est essayer de partager le territoire avec eux, de prendre plaisir à l'arpenter, de voir comment le texte peut ouvrir aussi. C'est-à-dire que je parlais de reconnaissance tout à l'heure. Ce texte, il est lu par les uns et les autres. Et il y a cette reconnaissance qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment, Ghislaine, elle est emportée par l'émotion de ce texte-là parce que ce texte parle d'elle. Parle de la perte de sa mère et cette reconnaissance, moi j'ai pu l'éprouver en lisant les textes d'Annie Ernaux et je la partage et à ce moment-là c'est plus l'écrivaine et les autres, c'est une forme de commun comme ça qu'on s'échange et il y a quelque chose de ludique aussi, une espèce de marabout bout de ficelle où on passe d'un univers à l'autre avec la possibilité de découvrir les lieux des uns et des autres, des enfants, des gens plus âgés. Je crois que le cinéma, c'est aussi cette possibilité-là, c'est de cartographier de façon sensible un espace et de le faire découvrir, de le partager, même si ce n'est pas la réalité de Cergy. Moi, ce n'est pas la réalité de Cergy qui m'importe. C'est le regard que je porte sur cette ville. Qu'est-ce que j'en ai à en dire à ce moment-là précis et je crois que faire le récit d'une ville qui a su accueillir en 50 ans, puisque la ville fêtait ses 50 ans, renouveler cet accueil, c'est ça qui me semble aujourd'hui important de mettre en lumière. C'est la possibilité que, encore une fois, on peut y trouver sa place. Et du coup, le film fait accueil lui aussi à ces existences traversées et au territoire, ce que je trouve très beau. Mais je crois que Maëlys veut dire un petit mot, non ? Moi, je trouvais que c'était intéressant, surtout au début de l'extrait. Ces deux filles qui parlent, elles vont partir. Et moi, j'étais assez accrochée par cette idée du retour anticipé. C'est-à-dire qu'elle commence déjà à dire que quand elle reviendra, elle verra une ville qu'elle ne connaît pas et on est un peu dans la forme de l'Odyssée, c'est-à-dire ces espèces de grandes narrations de retour. Qu'est-ce que c'est de retourner quelque part, etc. Et j'ai été, c'est une grande sensibilité au lieu, je trouve qu'elle est déjà à se projeter, dans une ville qu'elle va regarder autrement, non pas dans la ville où elle vit, mais dans la ville où elle a vécu. Et j'ai trouvé ça assez fort. Ça raconte son attachement, c'est un attachement qui va se mettre en récit comme ça à travers toutes les voies. Oui, mais ça raconte aussi l'arrachement aussi. Hein. C'est un peu l'attachement, mais c'est aussi l'arrachement à un âge qui est aussi un âge de sortie de l'enfance et d'entrée dans l'âge adulte, c'est-à-dire un moment où l'on s'arrache. Enfin, et j'ai trouvé ça émouvant ce moment-là. C'est beau à quel point le film procède d'un échange et d'une forme d'accueil que chacun fait à la fois au texte d'Annie Ernaux, la façon dont il le touche et comme le film laisse place vraiment à la sensation, à la fois dans son rapport à la ville, dans la façon dont chacun investit le territoire et le texte presque comme un territoire aussi dont il s'agit de s'emparer et avec les sensations que chacun éprouve. Quoi. Juste pour juste rajouter quelque chose, moi je me suis rendu compte en montant le film, Il y a toujours un récit inconscient, c'est-à-dire que là, je filmais des jeunes qui n'ont pas vraiment de problème, qui effectivement passent le bac, vont partir, vont peut-être revenir, en tout cas sont dans un moment comme ça de... Il n'y a pas de masque, il n'y a pas encore cette épidémie. Et je me rends compte que là aussi, d'une certaine manière, je parle de ce que je suis en train de vivre, parce que ces jeunes, ils ont l'âge de mes enfants, et mes enfants, ils ont l'âge de ce départ-là, de cet arrachement-là, et le film en témoigne, en fait. À travers eux, parce qu'il y a quelque chose qui se rejoue et qui peut aussi se rejouer dans les textes. J'ai retrouvé en voyant le film et en relisant le dépaysement par ailleurs en parallèle, une certaine façon, je trouve que
d'arpenter le territoire, d'être attentif comme ça à la fois au territoire, à la fois peut-être dans sa totalité. Je trouve qu'il y a une forme, la totalité de Sergi est souvent présente à travers les détails. Et dans le regard peut-être que Jean-Christophe Bailly peut poser aussi sur certains territoires. Est-ce que c'est une lecture par ailleurs, Jean-Christophe Bailly, et notamment le dépaysement qui entre en connexion avec la façon dont vous pouvez arpenter des territoires et le regard que vous posez sur certaines choses, sur certains lieux et espaces que vous avez pu fréquenter? Je crois que, en tout cas, ce qu'il y a de commun, c'est cette idée que la vie nous amène à des endroits et qu'à partir de là, il y a des récits qui peuvent se déployer. Je disais tout à l'heure à Jean-Christophe que moi, j'ai découvert ses livres à travers aussi les études de mon fils et toujours Anne qui me fait découvrir des livres. Et je crois que le croisement, il se joue à cet endroit-là. C'est-à-dire que d'un coup, il y a encore une fois une porte qui s'ouvre. Et que ce soit sur le versant animal ou le dépaysement, il y a quelque chose de commun parce que, en tout cas, moi, mon travail, il part de là. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas à un sujet. J'essaie de voir où m'amène la rencontre, les vacances, la rencontre d'un autre cinéaste, l'expérience de vie. Alors, c'est peut-être des petites choses, mais moi, je crois que dans la rencontre de l'autre, il y a des grands récits qui peuvent se déployer. C'est-à-dire que pour moi, le récit de Claudette, les récits d'Anouk et de Lola dans le film, c'est des récits épiques, quoi, qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Et ils naissent parce qu'il y a une expérience partagée, quoi. C'est ça qui est beau. On a beau être dans un registre documentaire, c'est qu'en permanence, on a l'impression qu'il y a des échappées de fiction qui peuvent tout d'un coup partir, et comme des brèches, comme ça, dans le matériau documentaire. On évoquait tout à l'heure le glossaire propre au cinéma. Il y a une notion qui, moi, m'est chère et qui, sans doute, recoupe le travail que Régis a pu mener à Sergi, mais aussi bien à Forbach, etc. C'est la notion de repérage qui, je trouve, a été mise au jour, en quelque sorte, par le cinéma et dont, bien au-delà du champ cinématographique et même artistique, je trouve que c'est une notion qu'on retrouve la plus facilement citée. J'ai l'impression que c'est une notion qu'on retrouve aussi chez vous, Jean-Christophe Bailly, la façon dont vous arpentez les territoires, est-ce que ça peut s'assimiler à une forme de repérage en vue du livre à venir? Oui, sauf que en général, j'en reste au repérage. C'est-à-dire, j'ai du mal à engendrer des fictions. Bon, j'ai appelé ça le buissonnement fictionnel. C'est-à-dire, où que j'aille, mais vraiment où que j'aille, évidemment, sauf dans les endroits qui seraient faits pour que ça n'arrive pas, et de tels endroits existent. Mais où que j'aille, un faubourg, une campagne, un lieu où je ne suis pas retourné depuis 20 ans, au contraire, un lieu que je découvre, je suis sidéré par la façon dont on est bombardé, en fait, de petites, comme des bulles qui éclatent et qui chacune sont des fictions possibles. Alors c'est peut-être pas à chaque fois les Trois Mousquetaires ou un livre de Marguerite Duras, mais ça m'intéresse encore plus d'une certaine façon. Par exemple, en voiture à la tombée de la nuit, qui est un moment très agréable pour conduire, quand il y a moins de monde et puis on voit une espèce de villa, pas une belle villa, un endroit comme ça, puis il y a une lumière. Immédiatement, on imagine un truc et tout le roman familial que moi j'ai eu beaucoup de mal à lire et encore plus de mal à voir au cinéma, quand il existe comme ça, ça va. Il a fait son travail. Puis après il y a une station à essence qui n'a rien à envier à la célèbre Gasoline Station d'Edward Hopper. Et puis ainsi de suite. Donc je sais pas, on fait 50 km en voiture à la tombée de la nuit. Il y a déjà 14 romans possibles. Donc je ne sais jamais lequel choisir. C'est ma limite. Hein. Mais évidemment, il y a cette phrase de que je cite tout le temps de Novalis, qui est incroyable parce qu'il l'a dit en 1801 quand même. Il dit « Nous vivons dans un roman colossal ». Et il ajoute « En grand et en petit ». Alors là, pour moi, c'est le programme. Le programme, il est là tout entier. Et ce qui m'intéresse dans la littérature, comme dans le cinéma, comme dans la photographie, c'est ce qui parvient à donner une existence, à restituer toute l'intensité de ces ponctualités du roman colossal.
Et alors justement, dans les investigations que vous menez, dans les repérages qui restent à l'état de repérage, quelles sont vos pratiques documentaires? Est-ce que vous prenez des photos? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous filmez? Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable comme appareil d'enregistrement? Est-ce que... Non. Mais quelle pratique vous avez documentaire? La différence avec beaucoup d'auteurs et aussi de cinéastes, c'est que je ne parle pas aux gens. J'essaye d'être comme une pellicule. Une plaque sensible, une pellicule, disait Cézanne. De hypersensible, oui, si possible. Oui, la plus performante et la plus muette, quoi. Et donc, je me promène, et mon outil de travail, c'est un carnet, un outil... C'est pas seulement un outil mnémotechnique, c'est quelque chose d'important pour moi. Et souvent, d'ailleurs, je suis frappé par le fait que la notation brusque, elle pique, elle chope quelque chose que parfois on retrouve pas quand on écrit vraiment. C'est pas systématique, il y a pas de systématicité à ça, mais ça arrive. Et puis en soutien, il m'arrive d'utiliser. À l'époque, j'utilisais du dépaysement, j'utilisais des appareils photo jetables, mais il paraît que c'est écologiquement pas bien. Et puis, il n'y avait pas la même facilité avec ces saloperies-là d'iPhone. Donc, ça m'arrive d'utiliser l'iPhone, mais comme document, parce que j'ai trop de respect pour l'image photographique pour prétendre que je vais faire de la photo. C'est juste... C'est comme un dessin, mais... C'est plus rapidement fait, quoi. Alors, par contre, il y a une pratique qui, vous le savez, moi, m'intéresse beaucoup. C'est que, préalable, en quelque sorte, à tout documentaire et qui est une entrée possible dans une possible fiction, c'est que vous le dites, je ne sais plus dans quel livre, vous avez pratiqué l'invention, la carte de villes imaginaires, qui est une sorte de façon de documenter une possible fiction à venir en quelque sorte. Et ça a donné lieu, pour le coup, puisque vous avez prolongé ce mouvement, à un livre, Paris en 92, Description d'Olonne. À partir du moment où on a une carte, tout à coup, il y a effectivement 1000 romans qui peuvent se mettre en place, même si la ville n'existe pas, elle. Oui, mais ça... Enfin, quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas, le premier mouvement, souvent, j'ai acheté le plan avant de partir, ou je l'achète à la gare, enfin... Et je vais dans le premier bistrot venu, en général pas la gare, il faut sortir quand même. Et puis j'étudie le plan et je me mets à rêver à partir des noms, à partir des formes, même des formes. Tiens, cette rue, pourquoi elle fait comme ça, etc. Alors puis évidemment, là, il y a tout un hyper buissonnement qui se met en place. Mais le fait que pendant très longtemps, je ne le fais plus, mais j'ai dessiné des plans de ville imaginaires en grande quantité, là, c'est à l'opposé, d'une certaine manière, du prélèvement dans le réel. Là, on est dans l'irréalité. Et il m'est arrivé une fois de décider de donner une forme écrite complète à cette ville qui n'existe pas. C'est assez bizarre, d'ailleurs, que j'ai fait ça, mais voilà. Maïlys, les cartes, ça vous connaît? Parce que je crois que vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis, notamment dans une première vie d'éditrice, il me semble, auprès de Gallimard, auprès de cartes. Vous en parlez dans ce petit livre aussi qui s'appelle Chrome, qui est paru en novembre dernier. Et vous avez cette phrase, précisément. La carte est toujours une première fiction de l'espace. Est-ce que vous avez une pratique de la carte de géographie? Et puis j'ai envie de vous poser la même question qu'à Jean-Christophe, c'est quelle pratique, là encore, vous avez documentaire, quel support vous employez? Est-ce que, notamment, puisque je crois que le livre apparaître, Canoë au mois de mai chez Vertical, porte davantage sur le son, sur les voix, et sur la notion de trace aussi, qu'est-ce qu'on peut garder comme trace de ces voix et comme indice, en quelque sorte, puisqu'on employait ce mot tout à l'heure? Quelle est votre pratique documentaire et à partir de quel support et quelle forme d'enregistrement, là? Et aussi, moi, j'ai aussi ce carnet qui fonctionne aussi comme un enregistreur un endroit où je prélève des choses. C'est aussi une forme de comme un panier où je ramasse et où je
je collecte des phrases, etc. Mais alors, il y a aussi l'idée de cartographier réellement certaines séquences du livre, certaines scènes. J'en fais des plans, par exemple. J'aime bien, justement, quand j'écrivais sur Naissance d'un pont, ce livre-là, il fallait quand même que je mette en place un territoire fictif. Et j'aimais bien... orienter aussi les scènes, vous voyez, nord, sud, est, ouest. Moi, je ne peux pas écrire si ce n'est pas orienté avec, justement, pour la lumière, la façon dont les visages sont éclairés, par exemple. Si c'est en extérieur, il faut quand même qu'on sache, en fonction de l'heure, l'orientation, le décor, etc. Et la carte, c'est très important. Alors, c'est lié aussi à des raisons... autobiographique, parce que moi je suis une famille de marins, et donc moi mon père partait au long cours, etc. Donc il y avait quand même, on suivait, c'est très lié à l'enfance, on suivait quand même son trajet, vous voyez, son voyage sur des cartes. À cette époque-là, il pouvait partir 3-4 mois, c'était long, donc il y avait quand même tout ce travail de la carte. Et il y a toujours eu beaucoup de cartes chez moi. D'abord, il y a une dimension esthétique de la carte qui est très très forte, je trouve ça très beau. Il y a les entreprises de cartographie m'ont toujours fascinée, par exemple les cartes de Cassini, etc. Ça m'a souvent fascinée. C'est aussi des cartes qui se déplient comme des livres. Enfin. Et puis, dans les cartes, il y a une dimension fictive, parce qu'elles sont souvent, d'ailleurs, les premières cartes qui ont été... dans les premières cosmographies de la Renaissance, où l'on répertorie le Nouveau Monde, etc. On voit bien que la nomination, la façon de nommer les nouveaux territoires, voilà, ça ressort. Alors, il y a au roi, à Dieu, etc., à certains saints. Il y a déjà du récit, il y a déjà une première couche de fiction, etc. Mais ce que m'inspirait aussi, je voulais juste revenir là-dessus, parce que j'y pense depuis le début de la rencontre, c'est que parfois quand même, et ça me fait penser au film aussi à l'extrait du film qu'on a vu, c'est qu'on a déjà l'impression, le cinéma dans le rapport qu'on peut en avoir, en tout cas moi que j'en ai quand j'écris, c'est que si vous voulez, il y a certaines situations que l'on a déjà vues au cinéma et que l'on vit ensuite. Vous voyez, par exemple, et notamment ça s'est passé aux États-Unis pour moi, après avoir vu tant de westerns qui étaient une espèce de scène familiale, ce truc de regarder et on les regardait avec les bandeaux noirs qui l'ajustaient à l'écran de la télévision. Si vous voulez, quand moi je me suis retrouvée pour la première fois dans ces paysages-là, j'ai eu le sentiment d'être dans l'image, mais sans les bandeaux. Vous voyez, c'est-à-dire, mais aux États-Unis, il y a vraiment ça, je trouve. Il y a l'idée que, par exemple, c'est un pays qu'on a connu par les films et parfois par les séries avant même d'y avoir été. Et il y a un lien comme ça avec le présent et avec la mémoire, ce qui me fait penser à cette fille qui commence déjà à anticiper. Elle dit quand je vais retourner, ça sera, je ne l'aurai jamais, je verrai quelque chose que je n'ai pas vu, etc. Et tout ça est très intéressant. Et ça, pour moi, c'est très lié à la mobilisation du cinéma par l'écriture. Et ça, par exemple, quand je ressens ça, je peux le noter. Et sinon, un peu comme Jean-Christophe, tout ce qui est la photographie, ça me... Alors moi, je parle quand même aux gens, parce que j'aime bien cette idée d'une espèce de fixeur. Souvent, je me dis, parce que j'aime bien entendre comment ça parle dans l'endroit où je vais, et surtout pour les métiers, ça m'intéresse énormément la question des métiers, des gestes et tout. J'essaye dans mes livres de m'approcher de certains métiers. Et par exemple, il y a tout un glossaire, il y a tout un vocabulaire que je peux attraper souvent que parce que quelqu'un emploie des mots que je connais pas. Par exemple, ce matin, j'ai entendu curule et protomée pour la première fois parce que j'étais chez un conservateur d'objets, d'une espèce de trésor, etc. Et vous voyez, je pense qu'il y a une façon aussi de s'avancer vers des glossaires assez éloignés de ceux qui ont droit de citer déjà. Et ça m'intéresse aussi d'aller les chercher. Et donc, je parle quand même, je vais quand même sur tous les lieux du livre. Par exemple, pour Un monde à portée de main, j'ai été à Cinecittà, j'ai été à Mosfilm à Moscou, j'ai été dans cette école de Bruxelles. Vous voyez, j'ai à Lascaux.
Et j'étais à Lascaux, ouais. Je ne suis pas rentrée dans la grotte, hein, mais j'ai été sur les chantiers de Chauvet et de Lascaux. Et si vous voulez, il y a une façon de... Pour moi, par exemple, le rapport au lieu, c'est très important, et aux endroits, enfin, la manière dont la littérature peut s'approcher, peut-être parfois saisir, pour reprendre le titre du livre de Jean-Christophe, des espaces. Voilà, pour moi, ça induit quand même qu'il y a des formes. Alors, pour le coup, c'est vraiment des repérages. C'est-à-dire, c'est commençait immédiatement, voilà, des espaces apparaissent et qui sont parfois, évidemment, qui se peuplent par la fiction, mais aussi parfois ces fictions, elles viennent toucher un point, voilà, ça peut être quelque chose qu'on a aperçu réellement, une silhouette, quelque chose comme ça, mais c'est vrai, je me rends compte, je l'employais pas avant, mais cette sorte de repérage, pour le coup, je le fais beaucoup d'ailleurs, et pas dans l'idée de immersion documentaire, hein, c'est vraiment cette idée de plus rêveuse de la divagation, quoi, d'être hors de ses confins, justement, de se balader hors des limites, et puis voilà, et d'attraper des choses. Mais je pourrais pas trop écrire, je pense, sur un endroit où j'ai pas été. Enfin, parfois l'endroit est fictif, mais il reproduit quand même certains chantiers de pont où j'ai pu aller. C'est voilà, des choses comme ça. Mariana, pour rebondir, justement, on parlait de rebond, d'écho. Depuis, à partir du film de Régis et notamment du texte d'Annie Ernaux, les extraits qu'on entendait dans l'extrait qu'on a vu venaient du journal du dehors d'Annie Ernaux, dont est extrait d'ailleurs le titre, J'ai aimé vivre là. Il y a la fin de cet avant-propos qui ouvre donc ce livre m'a beaucoup fait penser à votre travail. Elle dit, finalement, j'ai mis beaucoup de moi-même, beaucoup plus que prévu dans ces textes. Obsession, souvenir, déterminant inconsciemment le choix de la parole, de la scène à fixer. Et je suis sûr maintenant qu'on se découvre soi-même en se projetant dans le monde extérieur. Ce sont les autres, anonymes, côtoyés dans le métro, les salles d'attente, qui par l'intérêt, la colère ou la honte dont ils nous traversent, réveillent notre mémoire et nous révèlent à nous-mêmes. Alors, je l'ai évoqué en introduction, il s'agit, parlant des autres, toujours de rapporter, je crois que c'est évidemment le cas dans la littérature, rapporter aussi d'abord la pensée que cela inspire et la sensation que l'on éprouve dans l'expérience traversée. J'ai l'impression que dans votre travail, qui pour certains films, et notamment deux plus particulièrement dont nous allons parler, Histoire d'un secret, Histoire d'un regard, qui se répondent à 15 ans, une bonne quinzaine d'années d'écart, que ce rapport à soi, à sa propre histoire, à travers notamment un événement peut-être que vous allez nous raconter, a induit une façon de faire, un changement assez important dans votre façon de faire du cinéma, à la fois dans les investigations qu'on évoque ici, dans une certaine pratique documentaire, et de documenter peut-être un travail en cours et un film à venir, mais que tout d'un coup, il y a eu un basculement à partir de 2003 avec Histoire d'un secret. Oui, c'est-à-dire que pendant... d'ailleurs, c'est aussi l'allusion que tu as fait, Régis, enfin, que tu as fait à mon travail, mais oui, pendant longtemps, en fait, j'ai... Enfin, comme on dit d'ailleurs souvent sur le documentaire, c'est-à-dire qu'on pense que le documentaire, c'est filmer l'autre. Souvent, d'ailleurs, on parle de captation, hein, on efface un peu, en fait, le réalisateur, on se dit qu'il n'y a pas forcément de regard, il y a une espèce de transparence comme ça, enfin une illusion, hein, évidemment, de transparence. Le cinéaste intéressé dont parlait Jean-Christophe, peut-être. Voilà, peut-être. Et évidemment, ce n'est pas du tout ça, il n'y a pas de transparence. Enfin, mais par exemple, moi, dans mes premiers films, effectivement, je ne m'interrogeais pas tellement là-dessus, c'est-à-dire que mes premiers films, en fait, j'ai filmé surtout des institutions comme un collège. J'ai filmé dans une prison. Et puis je me suis pas tellement. J'étais assez effacée d'une certaine façon dans mes films. Non pas que j'étais pas persuadée
qu'il y avait un regard. Il y a toujours un regard. En fait, dans un documentaire, évidemment, le regard est là. C'est pas l'intention, c'est pas le sujet, c'est la coupe. Est-ce qu'on fait un plan séquence? Est-ce qu'on fait un plan court? C'est la construction du récit. C'est la manière de filmer en gros plan, en plan large, laisser une perspective, etc. C'est évidemment dans tout ça que le regard, que le réalisateur est. Mais pendant longtemps, j'ai pas réfléchi en fait à ça. J'étais complètement plongée, moi, happée par le désir de raconter l'autre. Et puis effectivement, il y a eu un événement dans ma vie, un événement qui m'a fait réfléchir autrement et qui m'a fait prendre conscience peut-être de quelque chose jusque-là j'avais pas conscience. Donc c'est effectivement l'objet du film Histoire d'un secret. C'est donc quand mon père nous a raconté donc les vraies circonstances du décès de ma mère, donc qui était décédée en 1968, hein, quand j'avais 4 ans et ma sœur 5, d'un avortement clandestin. Et pendant des années, on nous avait dit qu'elle était, le récit, c'était qu'elle était décédée d'une appendicite. Et effectivement, à l'âge de 30 ans, quand j'ai découvert ça, ça a été évidemment un bouleversement pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'à la fois, l'histoire du monde que je m'étais faite, en particulier l'histoire des femmes, était totalement bouleversée. C'est-à-dire que je me suis dit... Avant, je me disais 1968, c'est la révolution sexuelle, c'est la liberté, enfin, c'est toute l'imagerie. Et en fait, non. Pour les femmes, c'était le Moyen-Âge, en fait, encore. Elles pouvaient mourir, elles mouraient par milliers, hein, encore à ce moment-là. Évidemment, le récit de ma famille était complètement bouleversé aussi, c'est-à-dire le roman familial dont vous parlez, qui m'intéressait pas du tout d'ailleurs. Hein. Mais quand même, là, je me suis complètement trompée. Et je pense qu'insidieusement, enfin de façon profonde, ça a changé mon rapport au cinéma en fait et au documentaire. C'est-à-dire que je pense que dans le documentaire, on filme l'absence, enfin, puisqu'on filme quelque chose, un peu encore plus que dans la fiction, c'est-à-dire que on filme quelque chose dont on sait que demain ce sera plus là et on va le travailler après au montage pour le faire revivre. Donc il y a évidemment un rapport à l'absence dont moi je n'avais pas conscience d'une certaine façon. C'est ce que dit Annie Arnaud, c'est-à-dire qu'on le découvre au fur et à mesure. Et ce rapport à l'absence, il a changé en fait avec quand j'ai su la vérité, c'est-à-dire que tout d'un coup ma mère, entre autres, hein, mais du coup ça a changé, je pense, mon rapport général à l'absence. Ma mère est devenue présente, c'est-à-dire que son absence qui était reniée, tabou, elle a pris vie hein, d'une certaine façon. Tout d'un coup, elle est devenue vivante. Et donc rétrospectivement, moi je suis un peu longue, hein, mais je me suis rendu compte qu'en fait les films que je faisais jusque-là dans ces institutions, ce que je filmais, c'était ça, c'était l'effacement, c'était l'absence à soi des êtres, c'est-à-dire des institutions. Qu'un psychiatre, psychanalyste, après, il en parlait comme ça, je trouvais qu'il disait bien, des institutions paranoïaques, c'est-à-dire des institutions avec des formes préétablies très très fortes et qui obligent le sujet en fait à s'effacer. Dans la loi du collège, j'ai passé mon temps, donc j'ai filmé pendant un an hein, dans un collège les rapports à discipline, et j'ai passé mon temps en fait à filmer des enfants qui se taisent, qui baissent les yeux, qui sous la parole pourtant de gens formidables, hein, mais dans l'équipe était très bien, mais n'empêche qu'ils se taisent. En prison, évidemment, j'ai filmé des gens aussi qui s'effacent. Dans une télévision commerciale aussi, j'ai filmé des gens qui n'obéissent qu'à l'audimat. Et il y avait par exemple le bras droit du directeur de programme, qui était l'ancien directeur de la Cinémathèque quand même de Lisbonne. Il ne parlait plus jamais de l'amour du cinéma, il parlait que de l'audimat. Donc lui aussi, il s'effaçait. Et donc en fait, j'ai filmé ça, des gens qui s'absentent à eux-mêmes, quoi. Et évidemment, comme mon père m'a dit ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Évidemment, là, je le vois après coup. Hein, au moment, je ne l'ai pas évidemment traité comme ça et vu comme ça. Mais je pense que là, je me suis dit... j'ai commencé à vouloir filmer des gens qui se révèlent à eux-mêmes, qui se réveillent, qui sortent de l'absence pour entrer dans une présence, y compris des gens qui ont disparu, donc dont ma mère, donc dans Histoire d'un secret, à qui j'ai essayé de redonner un corps, une présence, hein, à travers sa peinture, à travers toutes les scènes que j'ai filmées autour de ce secret, et puis dans le film sur Gilles Caron, Histoire d'un regard, où évidemment j'ai aussi, enfin là c'est vraiment le propos du film, c'est de redonner un corps à Gilles Caron, de retourner la photo vers celui qui l'a faite.
et de redonner vraiment un corps, une présence à l'absence. Quoi. Et les autres films que j'ai fait entre les deux, dans les 15 ans d'écart, sont aussi autour de ça. C'est-à-dire que j'ai filmé une entreprise qui se transforme en coopérative et où finalement, on voit des salariés qui se, en changeant de système, d'organisation, se réveillent à elles-mêmes, enfin se révèlent, se découvrent leur puissance, leur pouvoir. Alors peut-être pour dire ce que c'est ce film, donc c'est Entre nos mains, 2010, oui. Où des ouvrières d'une industrie, d'une usine textile, alors que l'usine est menacée de faillite, vont tenter de monter une SCOP, une société coopérative de production, et de s'emparer du capital, de la production, pour non seulement sauver leurs emplois, mais tout d'un coup, elles se découvrent, elles aussi, à elles-mêmes, dans la lutte, enfin, ce qu'on sait tous, mais ce qu'elles-mêmes expérimentent sur le terrain. Et là encore, vous filmez une forme d'émancipation, effectivement, à contrario de ce que vous avez fait dans les années 90. Ouais. Voilà, et pareil, dans Un ciel ouvert, qui est une institution, enfin, je vais filmer une institution qui accueille des enfants psychotiques et qui s'intéresse vraiment à la singularité de chacun, comme considère vraiment chacun comme une énigme, mais qui essaye à chaque fois de trouver pour chacun ce qui va les permettre de trouver une manière de tenir debout dans le monde, enfin d'avoir voilà. Et donc là aussi c'est un éveil, enfin dans le film on assiste comme ça, voilà. Et donc donc il a fallu tout ça, tout ce cheminement pour qu'à un moment donné, puis que je me dise ben oui, en fait en traversant les existences des autres, effectivement, au fond, je parlais de quelque chose de moi dont je n'avais, en tout cas avant Histoire d'un secret, absolument pas conscience, quoi. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui s'est réveillé, y compris mon rapport aussi dans le film. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus présente dans mes films, à l'image, voilà. C'est-à-dire qu'avant, j'étais... mais je trouve ça très intéressant aussi. C'est pas du tout qu'il y a... Mais c'est que, voilà, je suis beaucoup plus présente à l'image. Je suis là, je participe, je dirige les scènes de l'intérieur, d'une certaine façon... donc y a la rencontre avec l'autre, elle est visible, quoi. Elle est voilà, c'est et Marina, est-ce que ça vous va si on regarde les deux extraits d'affilée, okay. Et on revient un peu, parce que les deux extraits se répondent, non seulement les deux films se répondent, mais le dispositif à l'œuvre et la mise en scène qui est dans les deux extraits se répondent. Donc ça fait vraiment sens, à mon sens, je pense, de les voir d'affilée les uns derrière les autres, ça voit. Puis on revient un peu après, oui, sur ça, okay. Donc on va voir. On va enchaîner l'extrait de Histoire d'un secret et celui d'Histoire d'un regard. Merci. Là, peut-être qu'elle mettait un peu d'huile de lin dans sa peinture. On a quand même à travailler avec une matière qui est grasse. Hein. Tu vois des travails de jus de noir ici. Ici, on a un petit peu de bleu, ça vaudrait presque coup. Après, bon, il faudrait le remettre. Donc, si ça se trouve, c'est même elle qui l'a préparée, cette toile. Hein, elle a été préparée une fois sur le châssis. On n'a pas de préparation sur les bordures. Voilà, c'est. Bon, c'est une toile. De toute façon, apparemment, c'est des petites toiles industrielles. Bonne qualité. La lumière, elle vient du fond, là. Alors qu'ici, la lumière, elle vient des blancs. Elle vient après, quoi. Elle vient après. Mmh. Elle est posée ensuite. Sur l'écharpe. Et puis, les bleus aussi viennent donner de la lumière dans les ombres. Hein, ce bel outre-mer. Mais c'est un vrai travail de peint, dans le sens où c'est un travail sur la couleur. On n'est pas dans le dessin, là. Sa main qui est devant sa bouche. On sait que c'est une main parce qu'il y a quelques coups de lumière ici, ces petits roses, là. Hein. Mais après, en fait, si on regarde de près, il n'y a pas de dessin de doigts, etc. C'est seulement des coups de pinceau et un jeu de lumière et de couleurs. Hein. Une matière qui est plus... qui est très en jus, qui est beaucoup plus maigre. Elle aime les poils pubiens, c'est toujours des paysages.
ce petit morceau-là. On voit très bien les coups de pinceau, hein. Tu vois, clac, 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 ouais. Clac, et clac ici, comme ça. Hein. Et tu vois, ça, c'est du jus, tout ça. Et ensuite, tu vois, des zones par-dessus, ici, plus empâtées, on les sent bien, les empattements. Et là, clac. On n'a pas tous les documents sur la table. On se dit qu'il y a peut-être la photo. Enfin, mais il a l'air d'être très très près quand même des combattants qui prennent la ville, hein, parce que là, ça c'est celle-là. Hein. Voilà, voilà. Celle-là, c'est celle-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, on a le Mont des Oliviers devant lui et le Mont Scopus ici. Donc là, il regarde vers l'est. Il va continuer. Ben c'est là qu'il fait, voilà, exactement, celle-là. D'accord. Donc, son axe, c'est exactement l'axe de la... D'ailleurs, on voit, hein, il est dans l'axe de la route. Hein. D'accord. Ouais. C'est ça, c'est la porte dorée ou porte double. On voit bien, là, les deux arceaux. C'est la porte par laquelle doit entrer le Messie à la fin des temps. Hein. Celle-là. Qu'il a dans l'axe. Il n'a même pas besoin de... Ça va, celle-là, c'est bien ça. Il est exactement comme ça. Pof. Il est ici. C'est intéressant de voir quand il fait des photos et quand il n'en fait pas. Parce que, donc, quand il rentre dans la vieille ville, on sent qu'il est un peu lui-même... enfin, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, là, s'il prenait à gauche, il irait sur l'esplanade des mosquées. Non, juste après, c'est celle-là. Ah bah voilà, ah bah ok. Bah donc il y a été. Donc il y a été tout de suite. C'est incroyable. Donc il en fait deux ici. Et ensuite il est là. Il n'est plus sur l'esplanade des mosquées, il est devant le mur des lamentations. Et on va... Ici, ça, ouais, ça ouais, ouais. Ah oui, il est là, c'est sûr. Alors, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut des soldats. Pourquoi il photographie par là? Le mur, il est là. D'accord. OK. C'est mis au bout et il photographie comme ça. C'est curieux, en fait, qu'il fasse ça. Alors, quand Gilles Caron va arriver sur le mur des Lamentations, il ne sait absolument pas que c'est le mur des Lamentations. Ah ben, c'est génial. Ben alors, la photo, là, ça correspond complètement. Ouais. Et après, si, il doit quand même... quand même, il se rend compte qu'il y a des soldats qui sont quand même voilà. En train d'embrasser le mur. Alors, et donc, il se dit... là, je pense qu'il est... là, il sait qu'il faut qu'il fasse des photos, quoi. Pour ça, là, tac, 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 il déclenche, là, quand même. Hein. Ouais. Il s'est quand même mis au bon endroit, parce que ça doit bousculer partout. Il veut... ça y est, il a compris que c'est ça, le truc. Enfin, qu'il faut avoir le mur, quoi. Et il repart. Il repasse devant le cadavre qu'il avait déjà vu. La même, d'accord. La même. Et la photo suivante, elle est là. Donc, ah oui. Ah oui, donc là, entre les deux... Donc, j'ai un peu du mal. Elle est ici. Ah oui, alors... Donc... peut-être qu'il a repris la voiture. Ah, il a sans doute repris la voiture, soit il refait un tour. A priori, je pense qu'il il rentre par la porte de Jaffa ou par la porte de Sion. Une des deux. Ça, donc, pour moi, c'est un peu fou. On a sous les yeux, je pense, la dernière photo du quartier maghrébin, puisqu'il va être rasé dans les heures qui suivent. Ça, c'est le mur occidental. Donc, il était... il l'avait atteint par là tout à l'heure. Il a fait pas mal de photos là, dans ce fameux couloir là, en bas. Là, il y a 800 personnes qui vivent, qui sont là, hein, dans leur maison, pendant qu'il prend la photo. Et qui ne savent pas que 48 heures après, ils seront expulsés en 2 heures. Donc la zone détruite, c'est celle-là. Alors, plusieurs jours après, donc sûrement le 12 ou le 13 juin, il revient à Jérusalem pour en fait photographier Enrico Macias, qui vient faire des concerts à Jérusalem. Mais il vient faire des concerts pour le... Ouais, pour les soldats. Ah oui, d'accord. Et il vient sur le mur, en fait. Et puis, dans le contre-champ, on voit bien que tout d'un coup, il n'y a plus la maison, là. Et je me suis rendu compte que tout avait changé, quoi. Ouais. Puis ces photos-là sont assez peu publiées, finalement. On sait que le quartier maghrébin, il est rasé entre le samedi 10 et dimanche 11. Et ça commence à la lumière des projecteurs de l'armée. Là, il n'y avait pas de photographe, hein, du samedi soir. Mais encore une fois, ça a duré 36 heures. Lui, il doit être stupéfait, en fait.
de ce qu'il voit. Je ne sais pas s'il en témoigne ou quoi, mais... lui, il a vu avant et après. Là, il a... Bon, Mariana, c'est assez fantastique d'enchaîner les deux extraits, parce qu'on, là, pour le coup, des rebonds, on en trouve beaucoup. Il y a la carte de géographie, le plan de Jérusalem, il y a la lecture d'images dans ce que je suis toujours tenté d'appeler un dispositif blow-up, comme le film d'Antonioni, où tout à coup, qu'il s'agisse de tableaux de votre mère, Clotilde Vautier, ou les images de Gilles Caron, on expose comme une frise les planches contact, on agrandit certaines, on en repère une sur une planche contact qu'on agrandit derrière. Et là, tout d'un coup, il y a toute une expérience qu'on a envie de partager et tout un parcours qui se retrace. Comment, on a peut-être trop peu jusqu'à présent tissé les liens, notamment peut-être plus les liens qui existent entre les deux films. C'est-à-dire que votre mère, comme Gilles Caron, sont morts à peu près dans les mêmes années, 68 pour l'un, 70, l'une, 70 pour l'autre, je crois. Ils meurent à 30 ans à peine dans l'un comme dans l'autre cas. Et dans les deux cas aussi, il s'agit d'images, de gens qui font des images, des tableaux, des photographies. Comment le lien s'est tissé quand vous avez découvert ce travail de Gilles Caron? En quelques mots, comment vous avez perçu, en quelque sorte, la possible connexion par rapport à Histoire d'un secret, et comment ça vous a touché, et quelle forme s'est imposée à vous pour dire cette émotion-là? Au départ, il y avait un petit détail. C'est dans le livre, dans le livre sur son travail, Gilles Caron, il y a un grand livre d'Homme ça qui retrace tout son travail. Et à la fin, il y a les planches contact, ces dernières planches contact qu'il a faites au Cambodge. Et juste avant les photos du Cambodge, sur la même planche contact, il y a des photos de ces petites filles. Et c'est ça qui m'a fait penser au dessin que ma mère avait fait de ma sœur et moi. Ça ressemblait tout à fait, quoi. L'un en photo, l'autre en... Voilà. Donc ça, c'est de la petite accroche au départ. Mais ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce film, c'est en regardant les deux planches contact qui concernent la célèbre photo qu'il a faite de Cohn-Bendit face aux policiers. Et en cherchant comment il avait fait cette photo, j'ai eu vraiment la sensation d'être derrière son épaule, quoi. Enfin, qu'il était là, quoi. Que j'étais à côté de lui, quoi. Et je me suis dit, en fait, que je pouvais redonner un corps à ce photographe qui a disparu, dont on ne sait pas où est le corps, hein. Il est quelque part au Cambodge, il a été recherché, mais on ne l'a jamais retrouvé. J'ai eu cette sensation, un peu comme j'avais eu justement quand j'avais fait cette scène avec la restauratrice sur les tableaux de ma mère, c'est-à-dire la sensation qu'à partir de l'œuvre, que l'œuvre était la trace en fait d'une présence, quoi, et qu'en la regardant attentivement, mais extrêmement précisément et attentivement, on pouvait faire apparaître en fait l'être derrière, quoi. Dans Histoire d'un secret comme dans Histoire d'un regard, c'est vraiment ça que je cherche à travers différents dispositifs. C'est de faire en sorte que pendant la projection du film, la personne soit là, quoi. Elle apparaisse, quoi. Voilà. Donc c'est pas toujours les mêmes manières de faire dans les deux cas, mais c'est ça que je trouve absolument magique, quoi. C'est de pouvoir faire surgir. Et alors, il s'agit bien de faire surgir, c'est-à-dire c'est pas des portraits, il s'agit pas de raconter la vie de ma mère ou la vie de Gilles Caron, mais de faire surgir la présence dans quelque chose qui, avec l'émotion que ça provoque, c'est-à-dire l'historien typiquement, et la restauratrice c'était pareil, l'historien il découvre ces photos en même temps que je filme, c'est-à-dire il les a pas vues avant, il sait pas ce qui va arriver dans cette scène, je l'ai invité à venir à 11h, telle heure, voilà, tel endroit, vous venez, et là tout d'un coup il découvre. Et je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qu'il va voir, je ne sais pas. Et c'est très important. Donc c'est extrêmement préparé. Hein. On a fait venir la carte de Jérusalem parce qu'il y en a quasiment aucune qui existe avec le quartier maghrébin. Enfin, on a installé. C'est très très long d'installer ces photos. Enfin, très compliqué. Enfin, bref, je passe les détails pratiques de la lumière et tout. On a tout installé, mais je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un pari, c'est un pur pari documentaire. Et ce que j'espère, c'est que la présence surgisse, enfin quelque chose surgisse, et c'est ce qui fait très bien l'historien Vincent Lemire, parce qu'il il repère, comme il connaît très très bien la ville et très très bien l'histoire de cette ville, il arrive
à nous le faire apparaître, quoi. À nous faire apparaître son travail, son cheminement intellectuel, physique, son déplacement. Son... Oui, ça marche très très bien. Maëlys, j'ai l'impression que cette perspective ou ce projet de redonner présence aux disparus, aux absents, ça fait vraiment écho avec une certaine approche que vous avez de la littérature et qui, j'imagine, vous plaît aussi et vous intéresse particulièrement au cinéma, non ? Oui, pardon. Oui, bah, ça m'a beaucoup occupé cette question-là dans ce roman Un monde à portée de main, où en fait, à la fois, je me demandais, je posais la question qu'est-ce que c'est qu'inventer, en fait, hein, et j'interrogeais cette histoire de refaire, reparcourir. Et donc, je me suis attachée à un personnage de jeune femme qui fait des peintures en décor, hein, qui est un peintre en décor, donc plutôt. Plutôt dans le champ de l'artisanat que dans le champ de l'art, en tout cas plutôt comme une copiste, c'est-à-dire une forme assez dépréciée finalement et assez mineure de l'art, et qui va se retrouver à la fin du texte à embaucher sur la SCO 4. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que quand je regardais les deux extraits, d'abord j'étais surprise par le fait que c'est des extraits qui sont extrêmement similaires sur le plan formel. C'est les deux fois, quelqu'un vous enseigne quelque chose, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans le champ et quelqu'un va vous raconter, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport à bon, je disais cette histoire de fixeur, mais pour le coup Vincent Lemire, il est réellement ce fixeur, c'est-à-dire qu'il vous dit, et du coup il y a cette idée que cet homme a disparu, on dispose de ces traces qui sont ces pellicules avec la fréquence du cliché, etc. Mais et aussi c'est la même chose pour la restauratrice qui est capable de vous dire voilà si elle a été préparée, etc. Je trouve ça extrêmement émouvant, moi, cette attention à la matérialité des choses. Et je pense que c'est là, évidemment, c'est en regardant justement par la matière, par cette espèce de premier monde sensible que viennent aussi des présences. Voilà, et dans ce livre-là, il y a des rencontres comme ça, des moments où cette jeune femme, qui est aussi quelqu'un qui sort de l'enfance, qui rentre dans l'âge adulte, puisqu'au début, elle est étudiante. C'est vraiment un roman de formation, comme on appelle. Hein. C'est vraiment une fille qui apprend à peindre. Et il y a ce moment où elle est enseignée, c'est-à-dire on lui montre des choses. Et pour le coup, elle, ce qui va la tenir, c'est que par le biais de cette histoire de fait semblable ou de fac-similé, qui c'est un truc qui m'intéresse énormément, parce qu'en fait, en 2016, il y a eu quand même la conjonction de deux fac-similés importants qui ont été ouverts en France, celui de la Grotte Chauvet et celui de Lascaux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de refaire à l'identique en développant des systèmes techniques extrêmement performants, mais en conservant aussi le geste de l'artiste, puisque dans les deux cas, il y a des peintres qui sont au travail. Il n'y a pas que des gens qui viennent scanner des cavités à des milliards au milliardième de points. Ces points d'acupuncture, hein, qui reprend un peu l'image dont parlait Jean-Christophe au début, c'est-à-dire ces petits points des scanners. Et en fait, voilà, en 2016, il y a eu ces deux espaces qui sont ouverts. Et je me suis dit, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire voilà, est-ce que quand on déjà refaire, ça permet de connaître, et puis aussi ça permet de faire revenir peut-être ce que l'on a oublié, de reconstruire ce qui a été détruit, de rappeler ce qui a disparu. Et voilà, et ça m'a énormément émue, en fait, ces gestes de... J'y ai pas du tout vu le faux Disneyland, etc. Moi, j'ai pris ça vraiment sur un autre mode, qui était un mode où je me suis dit qu'est-ce que ça fait à cette fille de refaire les gestes des peintres du Paléolithique, voyez, et est-ce que justement elle peut basculer dans un autre temps, qu'est-ce que ça fait revenir en elle, voilà. Et bon, il y a aussi mon intérêt pour la préhistoire, etc. Mais aussi c'est pas mal aussi parce que dans le livre de Jean-Christophe, et puis dans il y a ce rapport à la peinture aussi, il y a cette histoire de peindre et qui est assez présent dans le livre. Alors non pas l'art, la peinture comme art, mais le fait de peindre, c'est quoi peindre vraiment sur un mur, quoi. Alors comme le temps file, est-ce que vous voulez nous lire un extrait de ce livre, Un monde à portée de main ? Novembre encore, il pleut.
Paula Marne sur un cerf-fontaine, un marbre assez technique, sans doute un peu difficile pour elle. Deux opérations à l'huile, un troisième pour le glaçage des refends. On se demande ce qui lui est passé par la tête à l'instant de choisir celui-là. Et Jonas, justement, entre dans la cuisine. « Ça va ?»« C'est quoi comme marbre ?» il demande. La jeune fille recule d'un pas devant son panneau et répond sans détourner les yeux « C'est du cerf-fontaine ». Le nom est balancé avec assurance, mais Jonas interroge encore « Ah, et c'est quel coin ça, le cerf-fontaine ?» Paula, étonnée, pivote vers lui en haussant les épaules. « Quel coin, j'en sais rien. » « Viens, alors on va regarder ce que c'est », il murmure très tranquille, tandis qu'elle, rétive, tarde à poser son pinceau sur le bord de l'évier, s'assied mais regarde sa montre, songeant que dans une heure il fera nuit, il faudra allumer les lampes pour pouvoir travailler, il y aura des ombres, les couleurs vont virer, tout va se compliquer, je n'aurai jamais le temps de finir pour demain, pense-t-elle. Et alors Jonas commence à lire à voix haute, il a ouvert son ordinateur. Au cours du Dévonien supérieur, il y a 370 millions d'années, 370 millions d'années, Paula, 370, il appuie sur chaque chiffre. Le climat européen était tropical et des récifs de coraux se sont formés le long d'une bande s'étendant de Maubeuge très long à l'ouest jusqu'à Chauffontaine à l'est, atteignant leur plus fort développement et leur plus forte concentration dans la région de Philippeville. C'est pas loin d'ici ça, Philippeville, Paula, on pourrait y aller voir si tu veux. Le calcaire de ces récifs est gris dans sa partie médiane, rouge à sa base et à son sommet. Les calcaires les plus riches en restes fossiles ont une coloration gris-bleue due aux matières charbonneuses et la coloration rouge, elle, est liée à la présence de bactéries fossiles ferro-oxydantes. Ce marbre est, dit-on, couleur rose sèche, mais également appelé rouge des Flandres ou fromage de cochon, comme la charcuterie. Paula, tu as déjà mangé du fromage de cochon ? Il est d'allure commune et ne témoigne d'aucune richesse. Voilà. Jonas se détache de l'écran et Paula rouvre les yeux. Le Dévonien supérieur, les millions d'années, les roches métamorphiques, les récifs coralliens et la jungle en lieu et place des Ardennes belges, les calcaires et les fossiles, les brèches, les fractures et les hautes pressions qui cassent la croûte terrestre, tout ça, elle n'y avait jamais pensé. Ignorant les noms et ignorant les images, considérant le sol et tout ce qui le compose comme ce chaos de temps, d'aléas et de forces sur quoi reposent nos existences, elle est sonnée. Merci, Maëlys. Alors on retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois sur le goût des noms spécifiques, à la fois des toponymes d'une carte de géographie, de situer les choses très précisément, de les situer aussi dans un vocabulaire technique. C'est évidemment encore plus flagrant parfois au cours du livre et dans des livres antérieurs avec encore une fois un glossaire bien spécifique. Et tout cela nous ressortit en quelque sorte de la description. Je rappelle, je ne vais pas avoir le temps de lire hélas, mais je signale que le dernier numéro de la Revue du Crieur, à la Découverte, vous avez consacré un texte à la puissance politique de la description qui est extrêmement prégnante dans vos livres. Quel est l'enjeu pour vous ? Tout à l'heure, Régis parlait notamment de la dimension politique de son travail, de faire le choix de montrer cette réalité-là et non pas forcément une réalité telle qu'elle est attendue. On sent qu'il y a cette dimension politique aussi dans la volonté de dire spécifiquement les choses, de les dire de manière singulière. Et cette singularité se rapporte à des individus et qu'il y a une dimension politique qui émane très fortement aussi là. Oui, alors dans le vocabulaire, enfin en tout cas dans mon travail d'écrivain, il y a une tension, il y a une intention au sens de Hopkins hein, vers la précision et le détail. Parce que je pense que c'est vraiment le lieu où il est possible de singulariser ou de dire que les choses ne sont pas les mêmes ou de dire qu'un bleu canard n'est pas le même qu'un bleu roi. Et en fait, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit, on est plutôt confronté à des formes de standardisation du langage en fait, qui conduisent à des standardisations de la sensibilité et pire sans doute à des standardisations de l'imaginaire, mais en fait le langage a son rôle là-dedans, un rôle justement, j'aimais bien cette expression de Jean-Christophe Bailly de le buissonnement, c'est-à-dire tout d'un coup il y a un feuilletage, il y a du multiple, il y a de la diversité dans un monde à portée de main. Effectivement il y a tout ce rapport donc à la limite des faux marbres, bon des faux marbres il y en a des centaines, alors moi j'en cite énormément, déjà les noms sont importants, mais surtout les noms correspondent à des marbres différents, donc à des espaces différents, à des lieux différents, et je trouve que la littérature est là pour
pour faire affleurer ces différences, pour dire que justement, il y a de la singularité, il y a de la spécificité. Et le vocabulaire, il y a la question du vrai, il y a la question de l'exactitude, mais déjà l'exactitude, c'est pas mal. On pourrait déjà se dire que d'écrire de manière exacte, ça peut être un premier travail qui serait comme préparer la toile. Vous voyez, travail de préparation, moi j'y suis assez attachée. Du point de vue politique, il y a des enjeux de loyauté par rapport à ce dont on parle, à ce qu'on écrit. Mais vous voyez, par exemple, j'avais été extrêmement touchée. Je vous ai envoyé cet article par les actes de nomination qui ont pu être faits par certaines associations qui proposent une hospitalité post-mortem aux noyés de Méditerranée dans l'île de Lampedusa et dans certains cimetières de Sicile, où il s'agit à partir des corps et donc des corps des noyés qui sont souvent des corps anonymes, donc par l'étude des corps et donc des questions justement d'ADN, des questions de traces, de prélèvements, etc., de redonner un nom. Et donc dans ces actes de nomination, il y a l'idée qu'on va reconstruire dans la liquidité des migrants qui sont toujours saisis comme des vagues, comme des flots, comme le raz-de-marée, etc. Et là, on redonne des noms. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que je trouvais extrêmement, extrêmement fort politiquement. Et c'est surtout que ça prend à rebours tout ce qui est le général, la généralisation, l'uniformisation, la standardisation. Et on a parlé des liens, vous voyez, justement, le réel, parfois, il nous déborde. On sait pas forcément comment le regarder. C'est très difficile de bien le regarder. Déjà, on peut quand même se dire que c'est assez dur. Précisément, le langage, la précision, le détail, c'est comme l'entaille, hein, c'est-à-dire, c'est dans une paroi, le détail, c'est ce qui va permettre de se donner des prises dans le réel et de l'envisager dans une forme qui est à la fois sensible, d'expérience sensible, et aussi d'une forme de justesse. Et voilà, les détails, pour moi, il y a cet enjeu-là. Il y a cet enjeu de prendre à rebours quelque chose qui nous induirait à faire que tout se ressemble et que l'on converge tous vers les mêmes imaginaires. C'est au contraire faire le chemin inverse. Alors, il semble que James Hadji, que Alice Leroy citait en ouverture, avait le même scrupule que vous de dire précisément les choses face à une standardisation du langage, mais aussi des images. Lui qui travaillait dans le cadre de Louons maintenant les grands hommes avec un photographe, on trouve dans les tout débuts du livre cette phrase. C'est pourquoi la caméra me paraît être l'instrument central de notre époque et pourquoi aussi j'éprouve une rage de telle devant son mésusage. Lequel a répandu une conception de la vue presque si universelle que je ne connais pas plus d'une douzaine de vivants aux yeux de qui je puisse faire confiance autant qu'à mes propres yeux. Assurément, James Hadji avait à cœur de rendre justice aux familles de métayers auprès desquelles il avait séjourné avec Walker Evans dans l'Alabama. Et rendre justice, c'est une expression que vous employez à propos des glossaires spécifiques pour dire les gestes du travail. Et il se trouve que c'est aussi une expression que Jean-Christophe Bailly vous utilisez dans Saisir, quatre aventures galloises, quand vous parlez de Dylan Thomas. Je vous cite, il me semble que ce que fixe Dylan Thomas quand il dit dans une lettre qu'il souhaite pouvoir décrire ce qu'il regarde, en l'occurrence un rivage marin, à qui il voudrait rendre justice, et qu'il ajoute qu'il n'y parvient pas du tout, se montrant incapable de faire vivre ces choses, alors même que ce qu'il voit déployer sous ses yeux, c'est la conviction d'existence et de vie de chaque force incarnée composant la vision. Et est-ce que, à la fois pour Dylan Thomas, mais dans votre propre travail, vous avez à cœur de rendre justice, mais à égalité, mort, vivant, espèce animale, est-ce que c'est une notion qui est presque éthique en quelque sorte, ou politique peut-être, qui vous tient à cœur ? D'une part, elle vient quand même, il faut le dire, de Walter Benjamin, hein, l'idée de rendre justice, l'historien est celui qui invite les morts au festin, etc. etc. Et bien sûr que c'est le cas, mais il faut faire attention à ne pas le transformer en slogan, parce que des slogans comme ça ajustent le partage,
l'en commun, toutes ces choses, elles ne veulent plus, absolument plus rien dire. Et dès qu'il y a un indicatif comme ça qui montre la possibilité du slogan, justement, la revendication de la singularité, elle est balayée. Et je voudrais juste revenir un tout petit peu sur les extraits des films de Mariana Otero. Et même sur un, c'est pas exactement sur un extrait, puisqu'il se trouve que j'ai pu le voir, histoire d'un regard. Et je voulais ajouter quelque chose, c'est-à-dire quand tout à l'heure je disais ma distance par rapport au roman familial, c'est absolument pas un mépris de l'existence humaine, notamment justement telle qu'elle se concrétise dans le regard. Et dans le film sur Gilles Caron, il se trouve qu'il a été très peu mort si jeune, mais il se trouve en plus qu'il était très discret, comme ça, assez sauvage, je pense, etc. Il y a deux choses que je voudrais dire, une vraiment en forme de parenthèse, puisque je suis là. J'ai eu le plaisir de participer aux émeutes en mai 68, et il faut le dire, il y a dans ces photos quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire une justesse de l'électricité de ces moments. Il a vu, enfin, je sais pas, il a attrapé ça. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Je le dis comme un hommage quand même à sa qualité de regard absolument incroyable. Mais il y a autre chose, c'est qu'à un moment donné dans le film, on voit une interview de lui quand il revient du Biafra. Et donc là, on ne voit pas ce qu'il a vu, on voit son regard. Et il y a dans son regard, son regard est entièrement habité par ce qu'il vient de voir. Et l'idée, c'est un peu caricatural comme façon de dire, mais un ange a vu l'enfer. Et comme souvent, les photographes sont assez rarement doués pour le discours. Il n'avait pas l'air meilleur que les autres. Mais c'est aussi quelque chose qui appartient au monde de l'image. C'est comme un empêchement d'en arriver aux mots, comme s'il y avait en eux quelque chose. C'est pour ça que de l'autre côté, quand on est écrivain, on a une responsabilité, d'une certaine manière, pas envers les images, mais envers les mots, pour essayer de, par exemple, dans certains cas, de rendre justice, entre guillemets, à ce qui est présent dans les images. Mais ce moment du film est absolument incroyable. C'est comme donc tout le film serait comme justement le déploiement du champ, de l'immense champ dramatique, pour l'essentiel, pas uniquement de ce qu'il a couvert, et puis un contre-champ où on voit qui voyait, on voit celui qui voyait, celui qui a vu, plus exactement. Et là, il y a quelque chose à ce moment-là, en plus. Il parle, c'est pas vraiment quoi dire, quoi. Il dit qu'il faut leur envoyer des médicaments, évidemment. Mais ça va au-delà de la pudeur, au-delà de la maladresse. C'est pas ces notions-là. Il y a quelque chose qui est, puisque je cite souvent Walter Benjamin, je vais encore le faire, ce qu'il appelait la teneur de vérité. Hein, en allemand, c'est toujours mieux, Wahrheitsgehalt, mais la teneur de vérité. Et là, il y a ça profondément dans ce film et dans le travail de Gilles Caron et dans le film et dans ce moment du film en particulier. Et là, moi, c'est ce que j'attends du cinéma. Voilà. Est-ce que, puisqu'il nous faut conclure, on a quelques minutes encore, est-ce que vous voulez bien que l'on conclue, Jean-Christophe, avec un extrait du livre Apparaître, Jour d'Amérique, qui paraît au Seuil dans quelques jours. Oui. Vous avez choisi un extrait, vous voulez bien? Oui, j'ai choisi ça parce que c'est drôle. Puis c'est un livre qui n'était pas prévu. Mais un livre de confinement, c'est ça? Oui, pendant le confinement, j'ai eu l'idée de faire entrer dans l'ordinateur, donc de publier en fait des carnets. Et pour ce livre, ils sont assez anciens. C'est ce que je vais lire, ça 40 ans, quoi. C'était très bizarre pour moi de taper des textes. Voilà, donc je vais vous lire les textes d'un. Et ça commence, non par hasard, peut-être, par un 20 janvier. Ah oui, non, mais ça, j'ai pas fait exprès. Voilà, donc c'est. On est vraiment dans. Et j'ai décidé, en publiant ces textes,
de ne pas les modifier. C'est tel que je les ai écrits. Donc, c'est des notations. 21 janvier 1979. Bloc de glace sale et à demi fondu, encore compact entre les docks. Lourde péniche remplie de bois venue des démolitions. Ocean Burning, numéro 34. Bruit de la glace craquant sous la force d'un coup de vent. Hudson River noyé dans la brume, puis dégagé 2 heures plus tard. Et toute la ville derrière, comme un bateau de rumeurs, de lumière, de fumée. Hudson Street jusqu'à Broome Street, contre le vent, puis Canal Street, un Chinois au volant d'une voiture, immobile, attendant son complice, comme dans un film policier. Mais New York n'est pas la ville de Chandler. Une autre couleur anime ici les surfaces de la peur. Soho est un théâtre pour l'harmonie, le port des migrants installés parmi les camions et les caisses. Mais décrire le mouvement de la glace soulevée par le vent, décrire le bruit des blocs se frottant dans le gris, une masse plus blanche surélevée formant promontoire, et les mouettes partant en rafale lente, l'odeur, le bois mouillé de l'ancien dock, les barres de fer tordues, décrire et ramasser dans les phrases ce qui se donne avec tant de force comme l'essence du monde urbain, civilisé, mercantile, monde qui accepte même sa propre dévastation par goût de la vitesse, la lumière de tout cela et les gestes humains dans la lumière. Passant dans le nuage de fumée blanche qui sort d'un tuyau vertical à l'entrée du Holland Tunnel, il n'existe pas de peintre de la nuit. Puis, on était d'accord que je dise un autre jour, ça, c'est pas long, hein. C'est le... on est le 27 janvier, un peu plus tard. Lower East Side et début de First Avenue. Charcuterie polonaise et fripier mendiant. Fresque portoricaine et voitures défoncées, fin du jour. Avec quel naturel New York accepte d'être à elle-même sa propre zone, cela produit un étonnement qui croît. Le « c'est ainsi » de Hegel. C'est Hegel qu'on lui a montré les Alpes, il a dit ça. « C'est ainsi ». Le « c'est ainsi » de Hegel peut aussi partir des poubelles et des vitres cassées. La vérité de Bowery est celle de Park Avenue en équilibre instable et tout pourrait sombrer. Sentiment d'une révolte possible dont la violence serait proportionnée au lieu. Ne pas parvenir à expliquer une contradiction. Le poème d'une ville dirait donc tout en une seule fois, et sa connaissance serait le déploiement et la multiplication de ce regard. Le chien d'arrêt, l'esprit, reprend sa course avec la mémoire de tous les arrêts précédents, un seul film. Je constate pourtant qu'il est plus facile de remonter au sommet de la tour, parler de New York en général, introduire du raffinement dans ses généralités, plus facile cela que de saisir l'intensité d'une seule fraction de temps sur l'espace. La photographie n'étant peut-être que le simulacre de cette tension. Les grands photographes sont toutefois parvenus à détruire ce simulacre, à défaire le vide d'un rapt inconséquent. Au-delà du prestige de l'image, de la merveilleuse médiation des icônes et des cartes postales, commence la question que Walter Benjamin expose ainsi et qui est aussi, je pense, la question de la photographie. Trouver des mots pour ce qu'on a devant les yeux, comme cela peut être difficile. Mais lorsqu'ils viennent, ils frappent le réel à petits coups de marteau jusqu'à ce qu'ils aient gravé l'image sur lui comme sur un plateau de cuivre. Les mots de l'écriture sont la voix de l'intuition, de la saisie de l'instant court avant sa perte. En photographie, il doit être rare aussi de trouver l'équivalent de cette voix, tout le réel frappant les petits marteaux pour que ceux-ci frappent en retour, forme sonate dans la chambre noire. Merci Jean-Christophe. Nous allons conclure, non sans vous remercier toutes et tous, Jean-Christophe Bailly, dont 4 livres donc paraissent prochainement, Mariana Otero, dont les films qu'on a évoqués plus particulièrement, mais la plupart en tout cas sont disponibles en DVD ou en VOD. Et en VOD. Régis, dont le prochain film « J'ai aimé vivre là » sortira dès que possible, distribué par Shellac, comme beaucoup des films de Régis, et qu'un autre nous est déjà promis peut-être pour l'an prochain. Et Maëlys, beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle que la revue du Crieur donc, est disponible, la revue Sensibilité, où une nouvelle de vous est parue, Un oiseau léger, où vous revenez justement sur cette question des morts, enfin, c'est la thématique de cette revue pour ce numéro.
et qu'un recueil de nouvelles Canoë paraîtra au mois de mai chez Vertical, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.